dossier remaniement ministériel ça li sou pour le craser ni capétéan et le sou pour capable faire PM Gaïkouni petit job li. Tenez bien ça me dit hein? Dossier remaniement ministériel ça qui donc comme si révoquer trois ministres à pouvoir li risqué craser capétéan et en même temps tout PM Gaïkouni li même tout que capétéan risqué révoquer parce que PM Koni dit que li pas dans question remaniement. Et les mêmes exigés, on le fera encore avec M. Kapété pour capable révoquer trois membres conseillants, en parlant de Louis-Gérald Gilles, Emmanuel Ventilaire et Smith Augustin, dans la question qui répond avec scandale corruption BNC1. Elle dit bataille là, il était là. Est-ce que Gaïkouni a baillé autorisation pour évoquer trois ministres? Est-ce que Kapété a lui-même tout a révoqué et trois conseillers présidents qui impliqués dans le scandale corruption? Donc, deux dossiers ça y est, jusqu'à présent des Ivenes, li mette à couteau tiré, ni PM Gaïkouni et ni conseiller présidentiel des Ivenes. La situation bataille à papiti entre deux têtes exécutives. Si les cap voye Gaïkouni aller, et même genre, dossier trois conseillers sa yo, cap voye conseil présidentiel là à l'Ivenes. Parce que accord politique qui mette conseil présidentiel transition, qui mette gouvernement transition, li gagne façon que vous devez faire parce que son document qui articulé, ils sont documents qui pratiquement chita sous loi qui ont été utilisés pour le faire là. C'est ça que Gaïkouni exige. Monsieur Dame qui dans conseil présidentiel transition yo. Avant au moins de voir ensemble ministre qui fait partie gouvernement là, si tu as parlement, yo t'a gardé dans une période de 6 mois pour te évaluer. Li di yo doit rester dans accord. Et autorité selon la loi pour cap faire remaniement. Gaïkouni qui montrait les personnes qu'elle pas bay vague, li pas fait bac devant décision ça, plusieurs rendez-vous bay akli, li pas mettre point pied dans villa d'accueil. Songez qu'elle te font passer. Il était 23 conseillers tout simplement. Après ça l'autre semble t'a fait artiste, t'a fait vedette. À partir de ça, Gaïkouni li prend distance. Et je dis Blaise Gaïkouni estime qu'elle a plus pouvoir parce que M. Sao qui est dans le conseil présidentiel de transition. Gaïkouni estime que le peuple haïtien a plus confiance dans lui que 9 membres conseillers présidentiels Sao par rapport avec scandale, corruption qui est plongé là-dedans et de façon que tout le reste membre fait une solidarité silencieuse pour ne pas dire rien sous acte corruption. Yo arrangé yo, yo chita, y a mangé, y a boué, y a dormi, y a levé même côté avec trois volants, trois braquets qui étaient allés en dedans et BNC pour t'apprendre l'argent dans mes et président conseil d'administration. Qui ça cap côté? La conduit pays a dans plus chaos. La mette pays a dans plus problème. Parce que toute promesse que vous tendez, messieurs dames, vous avez fait la belle situation, yon pas respecté, yon pas privé, fait yon la deuil. C'est pour ça. Bien parti politique IDA. Donc, quoi, quelqu'un comme coordonnateur, ancien sénateur, Calmina Cantave, du département de l'Antibonite, qui écrit Conseil présidentiel transition, qui même écrit la primature, pour dire, après 6 mois qu'il y a tant de missions multinationales pour rétablir sécurité, et mission que le gouvernement de transition a gagné pour organiser l'élection, eh bien, il garde l'Ouest, c'est bataille qu'il a faite. Pour nèg kap jwenn nomination bataille kap fait pour question et moun ki pral participer non pour représenter pays d'Haïti parti politique la mandé pi gros autorité yo pour capable surmonter différence ki yo gen entre yo pour ba réponse concrète avec souffrance population haïtienne nan kap konnen en situation très difficile. Joubert Rochefort, expert sécurité sociale, c'est un nouveau directeur sécurité sociale qui rive installé nan Ofatma. Yo prend décision ça dans yon parti dans désir que yo gagne pour capable renforcer gestion sécurité sociale ak assurer et ça qui gagne pour avec continuité service pendant y a encourager gestion qui plus efficace dans domaine système assurance sociale institution cela Blaise Peterson qui gagne lien avec et Ofatma qui partager qui partager yon note qui bail ensemble détail ça. N'a pas rappelé dans élection qui fait aux États-Unis d'Amérique qui te mette face à face, Donald Trump, à Kamala Harris, eh bien, te gagnons délégation, Conseil électoral provisoire, CEPA, qui te allé aux États-Unis d'Amérique, président KEPA,
Patrick Saint-Hilaire, vice-président institution, nous voulons parler de Schneider, Adeli, directeur exécutif KEPA, Max Delis, ensemble avec l'autre exécutif dans l'institution qui était présent dans Washington, nous avons observé progrès, élection et qui fait les États-Unis d'Amérique, les personnes. Est-ce que ça t'a dit que M. Damio, plus bien placé ou bien plus bien comprendre la responsabilité que vous avez là, mais ça n'a dit élection, les États-Unis d'Amérique, avec élection en Haïti, se joue avec nuit, il n'y a pas de comparaison dans la façon que vous organisez les personnes. Président élu États-Unis d'Amérique, là, Donald Trump, qui prend la parole, bien bonnet, journée mercredi, dans une fête électorale dans West Palm Beach, Florida, eh bien, avec 100 000, 100 000 responsables replacés, avec partisans politiques liés aux alentours, eh bien, après, il te fin remercier les électeurs républicains. Dix victoires, c'est grâce à un mouvement, moun poko jam mouen, et li fait quoi? Qu'il a continué la bataille pour faire l'honneur les États-Unis d'Amérique, selon lui, c'est les États-Unis d'Amérique qui gagnent. Li dit merci. C'est pas un mouvement, aucun moun poko jam mouen. Et franchement, c'est moi qui croit, pi gros mouvement politique, époque n'a vive là. Pas que jam gagne rien comme ça, dans le pays ça, et même dans le monde là, et kounye a, li lè pour nous. Pour nous atteindre un nouveau niveau d'importance parce que nous pourrons aider les pays nous guéris. Selon lui, les États-Unis d'Amérique, malades, nous pourrons aider les pays à guérir. Nous avons un pays qui a besoin d'aide. Nous avons un pays qui a gros besoin pour ça. Nous pourrons ranger les frontières. Nous pourrons renseigner toute bagaille en dedans pays qui permettre que nous étions pour les États-Unis d'Amérique pour prendre escampe figuille. Et puis chaque citoyen, nous avons goûté pour vous, pour famille, pour avenir. Chaque jour, nous pourrons goûter pour vous. Et à toute force, moi, et me pas reposer jusqu'à ce que nous atteignions un pays qui a force, sécurité et prospérité que petit nous a mérité. C'est ça que Donald Trump dit, dans il parlait qu'il a des chances faites, Blaise Peterson, avec ses partisans, dans la fête électorale qui a été organisée dans West Palm Beach. M'a ajouté toujours des élans de ces Donald Trump qui lui-même réélu comme 47e président des États-Unis et qui braque pour le prêter serment dans la date cap 20 janvier 2025 à cap venir là. Ben les semble que qui parti et Trump là officiellement et parti républicain Charmant et Watley, j'ai expliqué pour qui ça pays à pays États-Unis. Alors républicain yo, yo voté pour un président Donald Trump, il fait qu'on est que campagne historique si là parce que il a confiance que total que notre Trump ral mette américain yo en premier. Pas oublier, Trump c'est ça toujours dit que États-Unis d'abord et n'a mette États-Unis devant pour répéter responsable et question campagne et campagne Trump qui était parlé dans même de ça. Et la question dans quoi ça des Evenes, laissez me dire que gagne et vice-présidente qui c'était candidat dans poste présidentiel face avec Donald Trump, Kamala Harris, monsieur lui-même qui prend téléphone qui est Donald Trump qui félicite il et ni lui-même ni Joe Biden y promettent avec Donald Trump pour qu'il fait une passation, transition de pouvoir le 20 janvier 2025 sans problème, sans bagage, aucun bagage capable passer, capable arriver. Et ben, Trump garantit ça. Et États-Unis d'abord, je que ni Kamala, ni Joe Biden, et ni Trump, et tout Américain même primé ça par rapport avec question qui vient pour avec États-Unis et élection 5 novembre 2024, ça qui baille Donald Trump comme président des États-Unis et qui prend le 47e président des États-Unis. Il a dit, et Donald Trump, dans toute histoire président des États-Unis, c'est le deuxième président qui fait deux mandats, mais qui pas collé pour nous dire l'un avec l'autre. Parce que généralement, en pile d'un président, soit République ou démocratie, par exemple, Sinbrand et George Bush, qui a fait deux mandats, huit l'année au total, il a fait le collé-collé. Et Sinbrand et on a Obama, il a fait huit ans, deux mandats collé-collé. Mais qui a commencé à changer. Après Obama, tu as joué et Donald Trump. Après Donald Trump, tu as joué et Joe Biden. Et Donald Trump qui retournait là. Et c'est le deuxième président. Alors, deuxième président de toute l'histoire aux États-Unis, qui lui-même, et Andy fait deux mandats qui pas collé-collé, et n'a dit que après deuxième mandat, ça, que Donald Trump a fait, hein, les constitutions américaines, non, les pas bal droit accès pour le capable Andy retourner ou bien, et dans la course électorale comme président. Mais ça va empêcher que, parti que lui-même, lui, là-dedans, qui c'est républicain, qui a toujours voyé, et un candidat dans l'élection qui va le faire, c'est en 2028, pour ta accouche président ou bien présidente en 2029.
cap vini là c'est n'a gata gichas quoi le désir nous t'a bien aimé ouais et comment ça après lié et désir n'a petit que dans dossier parce que m'a vienne avec déclaration PM Gary Kouni qui parlait avec et confrère nous Gary Pierre Paul Charles dans Scoop FM encore PM Gary Kouni monsieur retourné fait même alors monsieur retourné mettre accent sur même point ça yo Jacques il t'a dit déjà dans et forum citoyen que il t'a fait qu'est-ce qu'on plan dans qu'est-ce qu'on monsieur montre que oui question remaniement jusqu'à présent pas tombé d'accord avec elle parce que lui montre que faut ministre yo yo gen un temps d'évaluation dans travail yo parce que ministre an c'est vrai gouvernement nan gen 4 mois mais kounya yo à peine t'est rentré nan fin un exercice budgétaire qui c'est 2023-2024 yo seulement géré 2 mois budget ça t'a pas fini hein et actuellement là yo sous 2 mois nouveau budget 2024-2025 là pour me péter et Gary Kouni donc l'estimer que temps d'évaluation pour que à travers ministère ça à travers ministre en fonction de enveloppe que le gain en mail en termes de mois que le gain en mail pour qu'il soit capable et mettre exercer mettre en application et attribution ministère ça yo et ben l'estimer que temps trop petit pour ta évaluer et pour ta même gain ni évaluer et ni mander révocation et trois ministres et plusieurs ministres yo mais gen moun ki comprend tout désir ni kapete yon, ni gouvernement koni lan yo tous les deux a fait passer a dit yo entre yon en véritable bataille comme croit que yo a détourné attention population sous responsabilité que yo gagné et surtout égal koni et bien pour que yo fait temps passer et pour en pas gagné en fait jusqu'à ce qu'une carré que 2025 l'arrivée, il n'y a pas même qu'il y a fait élection, ok? Et puis, pour garder jusque là tout, que arrivé 2026, 7 février 2026, et puis pour pas gagner rien qui fait. Que je dis, hein, on peut même comprendre tout, Gary Kouni a fait il a 3 avec Negyo, Negyo a fait il a 3 avec Gary Kouni, mais puis devant, il va tomber d'accord. Elle dit, ou bon, qui beau? Soit que trois conseils, tout le monde d'accord, ça, vous aller. Vous devez aller. En pile secteur, les vivroyaux, pour que trois conseils, ça, vous allez. Donc, Edouard Poutre, de Ensemble contre Corruption, il dit, non, c'est pas logique. Pour trois nexa impliqués, dans le scandale corruption, et puis pour nexa continuer à engager l'État. Mais, qu'on a tout, deux mouns qui ouais tout, en qui ki commence ouais en bagarre Kouni. L'un qui commence ouais en bagarre Kouni, veut dire que, Gary Kouni, te montré que, l'été qui blindé elle a dit l'été qui a dit l'été qui communauté internationale là derrière et vous avez quitté quitter monsieur Blaise sous l'été qui blindé elle ah non 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 tu descends bien monsieur t'es fait les gros quoi et comprendre que l'été qui blindé elle OK parce que après dans réaction en pile partisan et ses partisans dit mais est-ce que des leaders politiques ils ont dit que capeta prend un coup pas comprendre dans mes gars connu. Et c'est ça qui fait où est que et bien c'est 6 conseils qui viennent de vote sous 7 qui votent Gary Kouni. Mais sinon, il va voter Gary Kouni. Et parce que Gary Kouni. Il n'y a pas de vote pour Haïti, c'était pour la communauté internationale. Exactement, mon cher. Qui va Haïti parler là? Où est Nexa ou là? J'ai agi là. Ni Gary Kouni, ni Nexa ou agi pour Haïti. Non, mon cher. Ni Gary Kouni, ni Nexa ou, il n'y a pas agi pour être Haïti. Ça veut dire qui ça veut dire que je dis hein c'est une question de et négabji a fait personnel yo alors que nèg pas primé Haïti parce que imaginons en pile les confrères qui a fait débat analyse yo clairement dit que Gary Kouni t'a travaillé dans les Nations Unies il t'a touché au moins à peu près 25 000 $ c'est ça a cap dit par contre c'est ça mais que c'est jusqu'à présent pas une preuve mais quand même on est cap travail comme on dit professionnel et spécialiste pour les Nations Unies qui a réalisé un ensemble de projets pour les Nations Unies ensemble des pays dans Caraïbes blanc et ben on est cap touché de 300 américains on est qui pral aller implanter un ensemble de projets pour une section des Nations Unies, eh mais c'est pas on est cap toucher 2-3 000 $ américains. Est-ce qu'on est cap toucher bon l'argent? Laisser job ça pour venir prendre job premier ministre en Haïti et il était pas être suspect, il était pas être intentionnel. Et je dis hein, Gary Kouni, en plus on capable comprendre que Jean que et l'a comporté avec KPT hein et Jean que KPT a comporté ensemble avec lui, y a tous les deux gros problème. Et problème qui existait à que c'est autre qu'on est, mais malheureusement, problème qui existait entre eux, hein, véritable perdant, l'ICPEP Aïssa des Ivenesses. On va avancer parce que tu as l'air de venir avec Gary Kouni. Blaise, l'important, je dis, hein, pour Haïtiens, mettre Haïti avant.
Si nous pas mettre Haïti avant, c'est nous-mêmes qui avons pour elle et nous commencer payer, c'est nous qui avons continué payer. Qu'est-ce qui explique? Neuf monde fait partie de un conseil présidentiel transition. Yon expérience qui essaye fait à plusieurs reprises qui pas bas résultat dans le pays. Malgré toute proposition qui te gagne à l'encontre de lui, malgré l'autre alternative qui te propose, parce que nous songeons, Revel a te proposé une alternative de trois, de un conseil, de un collège de trois membres, malgré ça qui t'a représenté problème quand même, et l'autre structure qui te propose, cour de cassation, tant que Jean-Empile Naoté dit, qui proche constitution. Mais songeons dans tout moment de débat ça, t'es quel monde qui t'a avancé, qui t'a dit c'est pas une question de proche constitution. Ce soit dans la constitution ou bien pas dans la constitution. Et bien, t'as qu'à dire, groupe Mounsayo, qui était dans CARICOM, et qui était en Jamaïque, qui était dans la question, et bien, ils ont arrangé, ils ont allé en dehors de la constitution. Mais malheureusement, tout jouet qui a joué, ou après qu'ils ont fait comme si ils ont en dehors de la constitution, parce que ce sont des articles à travers de la constitution qui a baissé dont on veut aller, pour justifier ça, faire comme bêtise. Cacophonie bataille qui vient là, nous avons dit son conseil, qui prend naissance sur le fond de corruption qui jusqu'à présent a persisté dans la corruption. Et donner au pape changer. Parce que c'est des monde qui avoué, c'est des monde qui malade de corruption, c'est des monde qui ont habitude de faire corruption ou pas qu'à lever un bon matin pour éradiquer ou bien retirer sans corruption dans eux. Et après, il y a une sorte de solidarité aveugle qui fait dans mitan messieurs dames yo. Malgré yo connaît trois conseillers yo plongé dans scandale corruption malgré ça, eh bien yo fait solidarité avec yo, yo continuer kembe yo. Et malgré ça, il a fait des exigences avec l'autre tête exécutive là que yo connaît qui cap faire exigence tout, et en pile moun gade yo présenté comme un obstacle tant que représentant Mopod dans département la Tibonite, hein, Tony Toussaint, monsieur montré que ça c'est un obstacle qui gagne et t'a même lancé défi pour ta on éventuel vini et Leslie Voltaire dans ville Gonaïve dans vin participer dans et fête de l'indépendance 1er janvier. Et yo dit que yo pas bail et la valasse le gain selon Mopod, yo déclaré tout ça qu'a fait là c'est dicté Jean-Bertrand Aristide pour au moins mettre pays à nos cafouillages, mettre pays à nos problèmes pour kidnapper pouvoir l'état. Est-ce qu'elle besoin continuer à prendre direction ça? Est-ce qu'elle est obligée pour aller là? Pour le moment difficile que le pays a connu déjà. Je dis à Blaise, vous ne pouvez pas courir tout partout à travers le pays. Vous ne pouvez pas mourir. Soit vous gardez Fonds National, soit vous gardez Solino, soit vous gardez Akae, soit vous gardez la Tibonite, soit vous gardez Cabaret. Commissaire Cabaret a crasé à tes plates. Vous n'avez pas une pièce, position officielle, non, autorité ou non, tout ça. C'est comme si ce bagage est normal, oui. Il y a un édifice public. Bandi vini au crasé. Vous n'avez pas de personne dire rien. Vous venez rendre que Bandi est sorti au normal. Ce n'est pas bagay qui représente trois problèmes. Si on commence à craser bureau d'administration publique, si on continue à craser commissariat, si on continue à craser tribunal. Et malheureusement, qu'on a un peuple qui ignore qui sa symbole, ça a eu là, comme institution en dedans pays à représenter. Il a quitté bagay la marché, il a prétendu Mister Blanc pour venir résoudre le problème dans pour yo. Et chaque fois que Mister Blanc vient, eh bien, il vient passer dans l'ordre, il vient chercher ça bon pour lui, il quitte dans le problème. Président Pralé, président Tourné, n'a fait carré dans problème, si ne pas jouer quand son notaire nous pour nous mener en bataille tant que j'en la riodil dans pour nous résoudre problème qui est dans le pays a, parce que il n'est pas possible en plein 21e siècle pour un pays qui gagne 220 l'année depuis le bataille depuis l'indépendance pour trouver dans situation ça belle situation. Et nous va venir avec PM Gaïkouni d'ici Jean-Nodian côté que PM dans lui-même qui était invité dans émission alors avec confrère nous Gary Pierre Paul Charles de Scoop FM. Et PM n'a pas les sous encore litige qui existait entre lui-même avec APT1. Bon, en tout cas, bon, quitte PM n'a pas les. Vous comprenez? La fait plus bien. Je suis très insatisfait du niveau d'engagement et de solidarité que me joigne de la communauté internationale. Il faut comprendre que c'est aujourd'hui seulement assistance humanitaire là, c'est à 40% de sa demande. C'est inacceptable. Il faut comprendre que promesse que tu as fait nous 2500. Moun la force multinationale, là, qui nettement insuffisant d'ailleurs, qui était là pour là en septembre, donc jusqu'à présent à 400. Faut comprendre que aide publique au développement, c'est une plus bas que jamais l'on paye en crise. Donc certainement, m'bap kache, non, que m'dis au sato, que l'enfant haïtien,
la jeune femme haïtienne qui souffre n'est pas moins méritante que cette femme qui se trouve au Gaza ou en Ukraine. Et m'a continué, dit communauté internationale, à que yo doué nous plus de solidarité. Mais ceci dit, tout m'a profité à ajouter que moins joigne que ressources nous très mal utilisées. Corruption, c'est toujours un gros problème. Je pense que nous sommes beaucoup plus efficaces et efficients dans les gens utiliser propre recette par nous, qui est déjà très bas, qui est déjà nettement insuffisant. Et c'est pour ça que pendant 4 mois, nous avons budget, nous allons plus l'argent pour l'éducation, nous renforcer l'argent pour la police, nous préparer pour faire élection. Est-ce que nous connaissons que je dis à presque moitié budget pour l'élection que nous avons déjà sécurisé, c'est des fonds haïtiens. Donc, il est nécessaire pour moi, en tant qu'haïtien, pendant que m'a dit communauté internationale, que m'attendent moi plus. Et au doué nous plus. Mais moi-même, tout m'a fait tout effort pam pour que me joue rôle moi en tant que pays. Et c'est ça que nous faisons avec beaucoup plus d'efficacité. Et ça avance lentement. Donc, justement, pendant les 4 derniers mois, avec le ministère des Affaires étrangères là, nous font plaidoyer extraordinaire et nous voyons des améliorations. Leur montrer basket fund qui était là pour fonds multinational sécurité a été à peu près à 30 millions, je dis à la presque 80 millions. C'est pas encore ce qu'il nous faut, on a besoin de beaucoup plus. Aide que nous joignent et appui budgétaire qui était bloqué depuis 2019, débloqué pour nous pour année ça. Engagement. Et je voulais dire, nous sommes contents de poser question. Il y a un problème qui était gagné avant nous arriver. Tout, j'aime dire, avant notre arrivée, monde qui t'a géré crise là, t'es largement sous-estimé. Nous fait finir avec ministère des Finances, une évaluation post-crise. Et alors qu'un pile monde te croit que rétablissement, recouvrement, t'a coûté dans les centaines de millions, je dis à nous connaît que nous besoin 1,5 milliard à peu près pour nous mettre pays à sourail et pour nous redémarrer comme ça doit. Donc c'est tout ça qui peut être fait. Mais pour répondre simplement à ta question, communauté internationale là, doué qu'un bel engagement, et c'est responsabilité pour dire doué solidaire Haïti et nous pouvons satisfaire du tout de ça n'a pas là. Très bien. Maintenant, monsieur le Premier ministre, et l'heure où tu parais comme on est capable de combattre corruption. Je dis un pile moun aptan pour porter en revendication que eux même yo pas capoter, à savoir que pas collaborer avec monsieur qui est impliqué dans corruption yo. C'est-à-dire signer un document que monsieur qui est dans CPT ou qui est dans corruption mandé pour couper tête madame Dupuis qui dit là ou gain de chantier avec international qui en cours. Est-ce que Premier ministre Garry Conille prêt pour le passer comme un traître pendant que le pral chita avec conseil qui impliqué ou si un document mettez magistrat mettez délégué départemental et puis changer direction générale mettez ministre. Est-ce que Premier ministre Garry Conille prêt pour le faire ça et si ou ta fait qui gens pour population en haut? Je me pose des questions excessivement complexe, mais je vais répondre à 3 bagailles. La première chose, c'est que nous croyons que l'hierarchie est importante pour CPT à prononcer sous question ça. Nous croyons que faut CPT a d'abord responsabilité première de dynation côté bagaille ça y est, c'est CPT a lui-même. Avant même que moi-même, moi dis ça me pensait, ça me pas pensé. Et c'est ça nous fait, nous écrit, nous mandé, nous parler, nous dit CPTA. Je dis à là, un processus qui est très avancé, ou pas carré en silence encore, il y a une lettre qui a sorti, il y a un juge d'instruction en place, selon ça me comprenne, à partir de médias, il y a un hiérarchie important pour vous, pour dire nation, ça veut dire. Et nous ballons période. Pour nous dire nous ça l'a dit. Deuxième bail nous fait c'est que nous consulter avec secteur parce que nous voulons qu'on ça secteur penser tout c'est eux qui ont nos légitimités. Troisièmement nous à l'écoute de reste société civile là et de population. Quatrièmement nous en consultation avec conseil de gouvernement. Là l'État faut pas précipiter rien. Faut une méthode, faut une transparence pour que l'on prenne décision ou qu'à camper sous lui. Soyez assurés d'une chose. Moi-même la ligne priorité moi priorité, c'est sécurité population. Nous parions pour nous faire tout ça, la loi, bah, nous, comme moyen, pour nous assurer sécurité, ça. Deuxième, c'est occuper rapidement les gens qui vivent dans mauvaises conditions humanitaires. Troisième, c'est avancer sur l'élection. Et quatrième, j'en dis, c'est assurer que nous quittons le pays, que nous sommes fiers de lui. Donc, question corruption, à l'avant même de nos pensées. Posture, nos crédibilités, nous dépendent de capacité, nous, pour nous dénoncer le là. Donc, c'est pour ça que nous, pourquoi là? Mais certainement, tu as raison, CPT a gain pour le dire aujourd'hui à côté lié sur question. Maintenant, on allait rapidement, parce que et Premier ministre, rapidement, et oui. Première impression par rapport à l'élection américaine yo, qui finit en faveur de Donald Trump. D'abord, certainement, ouais, chaque fois qu'il y a un changement comme ça, on peut dire que Haïti, et pas seulement Haïti, non, mais presque tout pays dans le monde là, pour réévaluer. Changement, ça a eu porté des risques.
et vous portez des opportunités. Des risques, parce qu'effectivement, nous avons une philosophie et politique particulièrement républicaine sous question compatriotes nous, qui aux États-Unis. Nous suivons pour nous si ça va conduire à un rapatriement massif. Donc, il faut nous parler en tant qu'haïtien de conséquences. Mais parfois, tout des opportunités. Parce qu'on a des gens qui peuvent regarder la situation avec un regard frais. Scoop, soit on peut faire, pendant qu'on fait évaluation, risque et opportunité, ça, c'est quoi positionner. Positionner pour si risque matérialisé et positionner tout pour capable capitaliser sur opportunité à travers réseau qu'on gagne, à travers contact qu'on gagne, à travers munitions qu'on gagne, à travers arguments qu'on gagne pour assurer que ou utiliser moment ça aussi efficacement que possible. Autrement, nous constater que le peuple américain fait choix, nous constater qu'encore une fois la démocratie a fait son chemin et a gagné. C'est pas toujours parfait, mais c'est ce que nous avons de mieux et donc nous acceptons. Ok, nous allons finir vraiment. Ouais, j'ai l'impression. Quelques questions éclairs, monsieur le Premier ministre, avant de finir. Questions éclairs rapidement, hein? Rapidement. En pile monde Bokoto, rapidement, hein? En pile monde Bokoto, il y a plein. Vous dites, mes amis, tant d'attendre avec le Premier ministre, il faut que vous job. Autant de débats, ça soit fait pour vous. Rapidement. Nous, à mettre sous pied là où est ça, on tout un mécanisme. Gars, il va me dire rapidement, parce que rapidement, oui, mais il y a 103 000 monde seulement dans l'administration publique là. Okay. Ça veut dire que par rapport à la population, nous gagnons moins de 1%. Pays comme Haïti, nous t'as supposé à 5%. D'autant plus que nous gagnons 20-25% de monde dans l'administration qui quittait. Donc nous gagnons espace pour nous écouter. Nous gagnons espace surtout, il faut me dire ça, Gary. Oui, je suis jeune, ma femme. Okay. Donc pas un monde plus que moi qui a nécessité pour nous ouvrir espace. Ça fait pour vous, mais il faut mettre en place des systèmes tout pour le faire de manière transparente, basée sur mérite et capacité. C'est ça, jeune à demander. Okay. Ça nous parle les faits, justement, et je ne vais pas bien faire ça tout. C'est Gary Krelem qui dit, mais 10 secondes pour moi. Oui. Je ne pas bien faire ça. Non, oui. Donc, il faut que nous mettions sous pied les structures qu'il faut pour nous capables de recruter dans la transparence. Et c'est en cours. Et des semaines, il y a tout un dossier sur ça. Nous avons mis technologie en place pour ça et ça a venu. Très bien, rapidement. Enquête USCC sur Michel Martelly, PHTK a dit c'est où d'elle. Nous connaissons depuis 4 mois, ULCC fonctionnait en toute indépendance et en toute autonomie. M'barre le directeur ULCC, m'barre une conversation avec elle pour qu'il y ait un espace pour fonctionner en toute autonomie. Donc c'est ça seulement mon gado sous question ça. Est-ce que rapport avec président Leslie Voltaire, coordonnateur Leslie Voltaire, est-ce que rapport ça est correct? Cordiaux comme d'habitude. Président Voltaire, son monde que me connaît depuis longtemps, son monde que me connaît un maximum de respect pour lui, son monde que me collaboré avec déjà antérieurement. Donc, depuis le relais, depuis l'invité, depuis le mandat venu, c'est avec plaisir que je suis là pour me discuter en toute transparence dossier. Est-ce que il a lieu de parler de remaniement? Autrement dit, est-ce qu'il y a une nécessité pour que tu aies gagné un passe-main qui est fait dans le gouvernement? Écoute. Jean Doula, même leur situation normale, généralement, leur parlement, qu'on période de grâce côté ou pas convoqué au ministre avant 6 mois. Particulièrement, leur connaît que ministre, et encore une fois, on a rappelé, la plupart des ministres, c'est pas moi qui choisis, donc c'est pas pour me dire, pour dire que Gary Kony, premier ministre, a essayé de défendre le monde, il mettait, ou ben si qu'on parle, ou ben si on parle. Mais généralement, qu'on période. La population a pensé et ou choisi, hein, ministre, notamment les ministères régaliens, ministres régaliens. Je ne souhaite expliquer tout à l'heure. C'est son choix ou fait de manière délibéré. Je ne souhaite expliquer tout à l'heure. Base à quoi 3 avril, là, c'est que ces secteurs, c'est parti pour une autre qui a monté gouvernement. C'est pour ça que l'MVNI, ministère de l'éducation, ministère et environnement qui est responsable à assainissement, ministère des travaux publics, ministère qui est vraiment bien pied à terre, c'est CPTA, qui dans leur sagesse choisit, et m'a couru dire encore une fois, collaboration très très bonne avec eux jusqu'à présent. Et ministre Gagné, j'en m'explique, parce que nous te voulons que nous neutres, nous ne voulons que son parti qui choisit un ministre des Finances, nous te demandé moi-même, pour moi-même, moi proposer des noms, que nous proposer que nous-mêmes, en finalité, nous choisit. Donc 100% ministre qui l'a, nous choisi par CPTA. 10 choisis uniquement par CPTA, 4 choisis sous la base de propositions que c'est moi qui fais. Mais n'en déplaise, ça qui intéresse ces populations en lui-même, c'est même pas ça, c'est qui leur vie l'a changé, qui leur situation pas là pas améliorée.
Si m'te quoi je dis à la que si me change au ministre, ça veut dire que m'pas bien 700 000 monde là déplacé encore. Si m'te quoi je dis à que si me change au ministre, situation sécurité a pas amélioré. Si m'te quoi je dis à que 50% population qui vivent l'insécurité alimentaire. Si me change au ministre, situation n'a pas amélioré, m'tap changer ministre, m'tap devant pour changer ministre. Mais moi quoi l'évaluation que me fait, c'est que ça fait 2 mois depuis au bon budget, ça à quoi 3 avril la prévoit comment pour changer ministre, comment pour faire réforme constitution dit comment pour bailler ça au fait si c'est lui qu'on veut choisir comme référence. Moi quoi fondamentalement que forme bailler ministre en opportunité pour faire travail avant que me dit que m'a changer l'autrement. Chaque 2 mois, chaque 3 mois, m'a changé ministre. Et l'autre bar encore qui vient plus grave, monde qui t'a voulu venir servir pays, pas prendre chance de venir servir pays, parce que vous connaissez bah, difficile, s'il y a le risque après 2-3 mois sur des bases qui pas claires. Il y a eu le téléphone, il y a eu changé. Donc tout ceci pour dire que, moi-même, tout à fait pour, même proposer une approche, une méthodologie qui est transparente, qui est ouverte et qui est basée sur la bonne gouvernance. Donc, moi, je dis, on chita ensemble avec le président, on fait une évaluation sur base feuille de route, on garde pour nous si un ministre vraiment, qui par rapport à l'autre chose, pas arrivé à comprendre le métier, pas arrivé à débloquer, on retourne à ce secteur, parce que ça, c'est très important. Il y en a bagay nous pas fait suffisamment à mon avis en juillet mais à coule pas on prend toute responsabilité sur ça c'est que nous pas de consultation large ça avec secteur moi même moi pas de dialogue avec secteur et à quoi 3 avril là proposer comment pour choisir ministre me prend méthodologie moi même je l'avoue parce que me t'ai aller vite me connais population à tant de résultats me devais monter au gouvernement me bat de tant de mois mais j'avoue que à quoi 3 avril là très clair que c'est secteur pour te proposer des noms et puis que pour te permettre nous choisir donc kounia si nous faisons un remaniement, je voulais que le secteur soit autour de la table. Je voulais faire le sang. Si nous faisons une évaluation de performance, nous voulons que le secteur là. Deuxième bail, nous dit on met au CAG là, on fait vite. Parce que au CAG là, après, on a la question qui ministre qui doit, qui ministre qui pas doit. Tu vois, et troisième bail encore, nous dit on assure une fois ça, on assure que la transition retrouve les centres. Moi, quand pile le monde positionne les bagailles comme étant un conflit premier ministre, CPT. Non. Le but aujourd'hui, c'est de recentrer la transition autour de l'accord du 3 avril, qui c'est ça que mettez-nous là, et qui c'est ça que ben nous le peu de légitimité nous gagnons, puisque nous n'avons pas élu. Nous n'avons pas légitimité le peuple là. Donc, on retourne à lui, on ne pas fond bail bouillé vidé, on ne pas mettre au ministre, retirer au ministre qui c'est mon pas, mettre au ministre qui c'est mon pas, on fait un genre pour la population sentir vraiment que n'a pas avancé dans le sens de ses intérêts. Pour qui ça, monsieur le Premier ministre? Désir, au comprend le ministre EPM là, oui. Parce que, bon, un peu, on comprend, c'est comme ça qu'il voulait faire. Moi, je ne suis pas venu là, je pour mettre ma balle dans le job, et ben me mettre là, sinon là, et je suis un peu venu là, bien que ça qui là, bah, on ne peut pas essayer avec les vraiment tout bon. Mais c'est chaque fois, après chaque 5 mois, par exemple, on dit là, c'est là où il y a un président Stonat et Lestive Voltaire qui là. Mais après les Voltaire, c'est pour Alphonse Jean. Après Alphonse Jean, c'est pour Léon. C'est-à-dire là, pour quelqu'un les potes, et 10 mois encore, est-ce qu'il y a pas 10 mois ça, nous allons passer 2 à 3 autres ministres non, à travers les ministères. Et laisse ça passer un ministre, 2 ministres pendant 2-3, pendant 10 mois ça, c'est comme si à recommencer, selon ça, on peut le monde reprendre. Et là, PM Nan du bagay, elle a dit, changeons ministre. Est-ce que ça pourrait permettre que mon qui déplace face à votre ministre Kayo, est-ce que ça pourrait faire si, mais qu'on y a là, est-ce que ça qui l'a ou tout, qui j'ai fait ou fait tout, qui a s'opposé tout, pour au moins ta monte de volonté pour capable retirer mon qui dans la situation ça ou tout, dans sa réunion désir. Bon, mon dans la situation qui pratiquement gagne là, en dedans pays, hein, l'immande compromis en pile fois. Malheureusement, compromis ou mal pour venir. Ça finit même que ensemble et autorité en pile fois, il y a agent Gopmoyet et agent Gopmoyet qui part tourner en faveur de la République. Cap fait pays a plus mal au lieu qu'il fait le bien. C'est ça qui a privé là. Oui. C'est yo estime faut que yo prenne tout ça yo estime cap bon pour l'équipe, yo cap plus bon pour yo. C'est à partir de ça qui a vinn rendre que situation vinn beaucoup plus compliquée. Je vois tous les gars koni. Ouais gars koni ont ti gens administratifs. Li respecte ça qui écrit. Dans ça qu'elle gagne amène qui ces documents qui c'est accord 3 avril parce qu'elle dit faut que nous recentrer sur accord 3 avril là soit moi si me comprendre gars koni ou après c'est comme si et pas vraiment messieurs dames pas vraiment dans accord 3 avril là non c'est comme si tout le monde a baissé d'autre faire pas oui
même parce que yo besoin c'est regarder question ça qui va permettre que bien centré. C'est pas retirer ministre ça sans pas porter pièce résultat. C'est pas parce que ministre ça soit fait une erreur et dans dispositif qu'il te doit prendre, il te mal prendre et vous dit non, on pas servir avec ministre ça parce qu'il pas fait ça me te souhaiter. Mais ça le fait à qui ça qu'il porter comme dommage pour le pays. Jean la agiant qui ça qu'il porter, qui ça le dit avec la République. Parce que c'est là qu'il besoin aller de la situation. En nous la possible avec PM Gaël Kounissou de César. Population a senti vraiment que n'a pas avancé dans le sens de ses intérêts. Pour qui ça, monsieur le Premier ministre, ou pas répondre à l'invitation, ce PTA, l'invitation était fort hier matin. Comme m'expliquer, j'écris au sous ça, m'a des empêchements, sont lettres que monsieur Voitor la veille, et nous avions des engagements incompréhensibles ce matin qui sont d'urgence, et m'a déjà avec eux l'avant-veille, donc m'expliquer gentiment ce qui se fait, ce dialogue que nous gagnons régulièrement pour me dire que moi, à leur disposition, mais malheureusement, je dis à le que vous avez proposé, non, le patap possible. Et m'a rappelé tout le monde que pour le premier ministre, pour le fond, il est passé, là-bas, nous seulement 20 minutes. On a posé toute question, mais diaspora, sauterait, il est là. Un gros leader dans la diaspora qui m'a dit, il dit, est-ce que vous avez une chance pour moi de s'en aller, pour au moins, qu'il y ait une famille en Haïti? M'a dit, il consacre déjà. Si c'est mon cap, folle à l'ocap. Et nous voulons que l'entrée. Si c'est mon cap, folle à l'ocap. Si c'est mon Jacques Mel, folle vini. M'a répondu que oui, absolument. Folle vini. Faut y'a vini poté, collé. Faut y'a vini dépenser l'argent dans le pays. Faut y'a vini aider l'économie à relancer. Et faut y'a gagné confiance que bon gouvernement, avec une police, cap travail à ça, y'a gagné pour y'a capable de bailler sécurité. Et m'dis-nous que nous pour aller dans le bon sens. M'connais que ça prend temps. M'connais que nous pour qu'on ait résultat, nous voulons voir. Mais moi, m'ka dis-nous que mise en place qui pour faite pour gagner une bataille là, mise en place que moi-même m'a évalué au jour le jour, mise en place yo a fait. Évidemment nous avons pile pour nous faire toujours, bah yo pas facile. Gagne des avancées que nous gagnons que pas qu'à partager à la population aujourd'hui. Même qu'a dit nous que gagne des avancées. M'a pour prendre ça me toujours dit nous. Film ça pas qu'un l'autre Jean le fini. La victoire sera au peuple haïtien. Moi m'a donc petite patience, une petite solidarité toujours, mais n'a pas avancé. Nous pourrons permettre Davidson, notre collaborateur, de poser des questions. Tout maintenant, avant et Premier ministre, nous sommes à la qui attire l'attention, nécessité pour impliquer davantage les secteurs dans éventuel remaniement, si possible, et qu'il y a bien pour faire dans le gouvernement. Et c'est sûr que ou déjà, tant mais, si tu as parlé avec certains dans le secteur ça, et il y a de ras-le-bol, il y a des débats, il y a discuté avant, et parmi eux, et nécessité pour que et situation trois conseillers qui impliqués dans ce scandale BNC hein, et yota écarté au dans et conseil présidentiel donc étant donné que et ça n'a pas dépendre de où mais aussi yon branche dans exécutif là tout et qui j'ont ouais question ça est-ce qu'on estime pour ta gagner un changement qui fait dans gouvernement et faut d'abord et trois monsieur ça qui impliqué dans ce scandale mais corruption BNC a été écarté. Mano, merci pour question ça. Ça me quoi et faut dire nous sans entrer dans les détails. Il y a encore m'écrit président Voltaire sous ça. C'est absolument important que CPTA prononce le sous question ça. C'est pas wall moins pour me dire moi-même et me voulez ça clair si pour y aller ou bien pas aller quel est leur devenir. Même penser que c'est archi important que CPTA d'une voix dit population haïtienne non? Mais position mais ça est pensé pour population haïtienne non qu'à comprendre. Même penser que c'est toujours irresponsable pour leader pour éviter prendre position sur des sujets parce que c'est difficile. Ça, c'est conviction. Pas, mais nous, ça, quelle que soit la question posée, moi, toujours pareil pour me répondre. Donc, je dis, oui, je crois que l'important, effectivement, j'en dis, nous rencontrer secteur qui a des vues très, très fermes sur ça. Ils ont exprimé, ils ont partagé frustration. Et donc, je pense que plus que jamais, je vais encourager le président Voltaire pour le travail avec l'autre membre CPT pour être capable de venir la nation. Qui position yo sous question ça? M'a profité dit et bien quand on pose une question parce que dans une certaine mesure ça a handicapé gouvernance là. M'espérer que par exemple après quatre semaines ça yo que nous pas gain conseil des ministres, président Voltaire a rapidement organisé un conseil des ministres pour nous parce que ça fait 4 semaines que nous pas réunis.
Et nous gagnons des dossiers urgents. Nous te soumettons la formation d'un fonds spécial de sécurité que nous besoin en urgence. Parce que c'est à fond ça que je vais servir pour m'améliorer la qualité d'assurance policier. C'est à fond ça que je vais servir pour m'acheter équipement pour les policiers. C'est à fond ça que je vais servir pour m'aider meilleurs bénéfices à policiers. Ce sont fonds que nous besoin. Nous avons plusieurs directions générales qui ont des problèmes. Ça fait longtemps que nous besoin avancer sur eux, dont notamment y'en ou deux qui même plus urgents. Nous besoin CPTA et nous espérons que le président va à travailler avec CPTA pour convoquer l'autre conseil des ministres. Pour nous avancer sur eux, nous avons besoin d'avancer sur mairie. Donc, nous avons profité de dire que nous croyons que l'essentiel pour quatre bagailles faites là dans l'urgence. CPTA a convoqué la réunion des États généraux des secteurs, ça veut dire de l'Assemblée des secteurs, pour qu'on dialogue avec eux, retourner comme un pape. En position comme influenceur du processus, comme témoin du processus, comme garant de cette transition. Deuxièmement, faire au CAGLA, mettre au CAGLA en place rapidement sur la base de propositions. Troisièmement, rapidement tout, avancer sous Conseil national de sécurité. Et quatrièmement, j'en dis, 10 populations, by population, positionnées sous question. Trois membres du CPT dont nous avons cité l'un a fait la justice qui pendant qu'il y a. Oui, bonjour Mano, bonjour Monsieur le Premier ministre. Rapidement, j'ai trois questions qui pas trop longues. Gampil Moun qui estimait que retour vers secteur yo, c'est parce que manquait une collaboration entre ou même avec CPTA. Et dans plusieurs interventions que vous faites, vous montrez une bonne collaboration. Et il y a plusieurs instances qui ouais que gagnent un problème au niveau de CPTA. Est-ce que collaboration palia c'est un idéal ou son réalité? Nous gagnons 4 mois. Sur 3 premiers mois, en une semaine, nous montons au gouvernement. Mm-hmm. Nous montons CEP, nous montons comité pour réforme constitutionnelle. Nous avançons sur plusieurs dossiers ensemble. Nous approuvons un budget rectificatif. Nous créons un nouveau budget. Nous rencontrons chaque vendredi ensemble pour discuter de situation pays. Nous organiser ensemble avec CPT, président CPT d'alors là, on voyage New York. Mm-hmm. Donc, nous n'avons pas dit que la collaboration n'est pas bonne. Non, maintenant, c'est vrai, c'est un constat général que depuis environ 4 semaines, moins de 2 mois, il y a des petites difficultés que nous avons résoudre, que nous ouvert à résoudre. Pas plus tard que lundi, je suis avec CPTA, semaine passée, je suis invité à ma veille. Chaque fois, je suis invité, je toujours joindre nos gens pour me joindre et pour nous chiter, pour nous dialoguer de la manière la plus transparente que possible. C'est ça qui fait d'ailleurs que nous confions, nous vraiment confions, que cette période de latence de 4 semaines, ça, côté que bah, il avance, pas d'avancer, que rapidement, il y a pour prendre forme, que CBTA a pour recommencer encore dynamique, là. Et puis, vous vous demandez même d'accord avant, faut apprendre de leçons, 3 premiers mois, yo. Faut nous ça que t'es marché, faut nous ça que pas marché, faut ajuster. Et je crois que y a un problème qui ferait perdre de confiance, là. Leadership transition, c'est parce que parti prenature, justement, il y a pas autour de la table. C'est pour elle là, d'ailleurs, pile là d'ailleurs dénoncé propre monde que vous dévoyez dans CPTA. Mm-hmm. Donc il faut réconcilier cette structure, il faut la réétablir parce que j'aime ça dit tout à l'heure, c'est la seule source de légitimité que nous gagnons. Donc nous ne pouvons pas perdre. Deuxième question rapidement, monsieur le Premier ministre. Gampil Moun qui pensait que, qui estimait, parce que nous-mêmes comme journalistes, nous n'avons la rue, nous parlons avec Mounio, que vous publiez en pile photo, en pile vidéo, et vous obtenez un Premier ministre qui est plus ou moins athéen, ou bien dans le sens, et poser des actions au lieu, et c'est des images tout le temps qui l'a posté sur les réseaux. Qui a vu concernant. Avim, c'est que population, dans la mesure du possible, doit connaître ça. Premier ministre, lui, sa gouvernement l'a fait. Mm-hmm. Donc, il est important pour communiquer, pour faire le connaître à la fois opportunités qu'on gagne et défis qu'on gagne. Et je dis, il y a des instruments qui permettent tout, justement, partager avec la population ce qu'on a fait. Et il y a des opportunités tout pour la population, bon feedback de ça le content, de ça le pas content. Ce que je dis pour sûr, c'est que voilà, c'est assuré, moi, d'abord, que l'institution qui est justement responsable de mise en œuvre, il y a des moyens nécessaires pour faire travail. Nous sommes, par exemple, tout à l'heure, nous assurons que le ministère de l'Environnement a suffisamment de moyens lui-même pour le café assainissement dans différents communes. C'est assurer que la police a les moyens qu'il faut pour le café
travail, c'est assurer que une certaine cohésion et coordination, le monde qui a fait mise en œuvre pour ça capable marcher. Et puis évidemment, c'est la responsabilité de tenir imputable le monde qui n'a pas fait travail. Et c'est le rôle ça que nous obligés de jouer, que nous essayons de jouer dans la mesure de nos moyens. Et j'aime dire là, nous comprendre que y a une pile frustration et y a une pile insatisfaction. C'est normal. Mais nous, là, tout pour une population, que parallèlement à ça, on peut courir comme résultat, mais ça a passé en arrière, qui permet que très vite, on ait résultat ça. Dernière question, monsieur le Premier ministre, pour la vérité, pour l'histoire, et nomination directeur général, qui côté le bloqué? Est-ce que c'est bon côté pas ou bien bon côté CPTA? Nous écrit plusieurs fois. Nous avons entendu avec CPTA dès le départ que c'est eux-mêmes, encore une fois, basé sur le principe que moi-même, proposition PAM, c'est que nous avons ouvert nomination CPTA à la compétition. Pardon, nomination directeur général à la compétition. Nous venons avec une proposition côté sous besoin directeur, n'importe quelle institution, particulièrement ça avec des concentrés. L'ouvril, nous faisons compétition côté jeunes garçons, jeunes femmes, capables de venir présenter CV, faire argument et choisir ce qu'il faut. CPTA a d'avis au même que non. Et que l'encadre d'accord là, ces secteurs, c'est eux-mêmes qui pour gagner une sorte de monopole, là, prend décision ça. C'est avec quoi nous d'accord. C'est ainsi que depuis à peu près 2 mois, nous écrit CPTA plusieurs fois, nous demander s'il te plaît avancer sous proposition directeur général, mais pas seulement directeur général, mais avancer tout sous presque 50% mairie qui dysfonctionnel, sous délégué. C'est conviction profonde nous que ça a son urgence pour débloquer pays. Parce que évidemment, directeur général sont instruments essentiels de mise en œuvre. Donc, pour répondre directement à la question, par contre, si c'est bloqué, le bloqué, mais certainement, je dis, nous-mêmes, le gouvernement, nous, dans l'attente de conseil présidentiel, là, pour qu'on entende nous sur une liste de directeurs généraux, pour qu'on soit capable dans le conseil des ministres et pour qu'on capable de commencer à faire travail. Voilà, donc, nous allons faire place. Bon, PM, non, ça, c'est les mêmes du paquet de causes là, des Evenes. Et peut-être que là, nous, par contre, est-ce que les affrontages sous ça ou bien est-ce que n'a pas avancé avec de l'autre réaction et par rapport avec l'autre réaction par rapport avec causer ça et puisque bon là on a venir nous va faire un petit coup de venir avec et madame Vanessa Joseph et qui gagne mot parle il prend font dit là la question élu bon avant même ça entre référence Guy Philippe Pito et qui les mêmes et qui gagne pour avec dossier Haïti mais dossier tout venir et puis venir tout et Biden comme président alors pardon non Donald Trump comme président États-Unis et est-ce que ça c'est une bonne nouvelle pour Donald pour selon Guy Philippe c'est une bonne nouvelle ou pas nous pourrons regarder ça dans quelques minutes puisque nous connais et faut nous venir informer les internautes nous on dit Guy Philippe lui-même qui t'a parlé sur dossier surtout rivé Donald Trump comme actuel président alors qui pourra le président des États-Unis le 20 janvier mais en même temps tout comment lui-même lui ouais est-ce que ça pourrait gagner des retombées pour le pays d'Haïti voilà aujourd'hui lui et donc très fort il va dire bien donc son plaisir pour nous parler matin. Bon, nous comptons rejoindre nous. Là, on a parlé d'élections, élections qui les États-Unis d'Amérique qui te mettaient en face Kamala Harris également Donald Trump. Là, et toute bagaille sans éclair, une victoire de Donald Trump, ça qui consacre comme 47e président des États-Unis d'Amérique. Un commentaire, une réaction qui j'ai regardé l'élection. Bon, moi, c'est d'abord une victoire du président Trump, c'est censé une bonne nouvelle pour Haïti. Franchement, c'est la bonne nouvelle pour Haïti. Une bonne nouvelle pour Haïti. Bon, malgré tout ça, mon pensée, puis Donald Trump, raciste, il va pas voir Haïti en tout cas. Ça, son menti, son bluff. Ça, ils ont un discours électoral de politique de besoin gain. Il fait tout ça. Il y a raciste tout le monde, il y a raciste tout. Mais moi, je connais que le pape cap déporter tout Haïtien, ce n'est pas vrai. Bien entendu, qu'il y a un monde qui n'est pas en règle. C'est mettre à couvrir parce que si aucun beau ou pas en règle. Là, il y a un cap déporté. Mais si il y a une autorisation légale pour sous territoire américain, il n'y a pas de cap déporté. D'ailleurs, les États-Unis ont besoin. On sait que le travail, c'est Haïtien qui a fait. On sait que le travail, c'est immigrant qui a fait. Donc, même les gens qui battent Trump, ils ne vont pas accepter que Trump fasse une déportation en masse de travailleurs. Donc, je pense que tout ça, c'est une bagarre de campagne. Il n'y a pas de cap déporté tout Haïtien. Donc, moi-même, je dis Haïtien, c'est ça que je dis Haïtien tout dernièrement, sous question élection, ça, puis ils gagnent voter avec émotion. Si on vote avec émotion, on nous négocie vote nous. Là, c'est États-Unis d'Amérique, élection à faire. Parce que c'est très important pour la communauté haïtienne et pour le pays d'Haïti.
Si nous regardons tout mal que Haïti subit dans les derniers 40 ans, c'est démocrate qui fait tout gros mal. Si nous avons étagné là, dans les derniers 40 ans, ça c'est l'administration démocrate qui fait Haïti là. C'est eux qui crasent là, mais c'est eux qui crasent toute institution. Yo. C'est eux qui assurent que les gens qui volent les corps de reconstruction Haïti à retourner la caille. Comme qui Petro-Caribe a retourné la caillou, c'est eux qui aidé, encouragé, assassiné le président Jovenel Moïse. C'est eux qui mettent CPT ça, qui a crasé le pays, volé le pays, détruit le pays. C'est eux qui prennent tout ça dans le sol. Faire jeune garçon avec jeune femme, des âmes dans les mains, à passer dans les hommes, parce qu'ils ont besoin de ça qui combattre là. Donc, c'est une bonne nouvelle pour Haïti que M. Sao tape sous pouvoir très bien. Alors, il y a un sénateur qui a dit qui a rappelé que Donald Trump est président déjà. Non, il était président en deux. Regardez pour en qui année il était président. Président Jovenel va mourir, non? Gang yo pot ko gangrene et bagay la. Et comme ça, non? Oubliez qui les gangs commencent à vendre en rage en Haïti. C'est après Village de Dieu. Oubliez qui date. Donc pour montrer que, je crois que ça c'est nécessairement mauvais bagay pour Haïti. Nous t'a demandé, nous t'a souhaité que Haïtien gagne contact ça avec la nouvelle administration ça pour assurer yo. Que je change personnel qui est l'ambassade américaine depuis trop longtemps. Voilà, depuis 1994, ils ont entré avec 25 000 soldats. Depuis le ça, ils ont empêché Haïti vivre. C'est eux qui mettent la guerre dans le monde entier. Non seulement je pense que c'est son bras à la pied pour Haïti, pour le monde là bon. Guerre Ukraine, qui était presque, mettez-nous en guerre nucléaire, je pense qu'il va gagner longtemps pour le finir. Problème Israël-Iran, il va le finir. Je pense que le président Trump, j'en dis là, il n'a pas jamais fait tout ça. Et on va républicain pas jamais d'un coup démocrate qui prend pose bon papa, c'est au compte tout ça bon pour tout le monde. Haïti même dit nous pas voulez ça, nous pas voulez conseil 9 membres. Yo dit oui c'est ça bon pour Haïti. Et je dis regarde dans qui état que nous y a là. Je dis à nous cap connait que mercenaire Kenya qui là, yo pas jeune l'argent encore bientôt. Yo pas jeune l'argent. Pas pour son administration qui pas bien avec ça on vous suivez. La caillou va tourner. Vérité. Parce que mission non plus pas nous tourner en mission onusienne. L'argent ça yo, qu'on a là c'est nous qui pour essayer joindre aide pour aider la police nationale, pour nous renforcer l'armée d'Haïti, nous, BESAP, pour nous bailler peuple nos sécurité et nous cap bailler peuple nos sécurité. C'est caractère intervention, c'est tout le temps besoin de démocratie, au besoin de contrôler tout bagaille qui fait que Haïti, je dis à la, nous prend dans le pétrin que nous prenons là avec CPT et puis avec un premier ministre que nous avons battu avec l'autre et Haïti a montré notre tout. Donc moi, seul, ça me devrait dire, je dis à moi, je félicite le président Trump et je dis à Haïtien qui est aux États-Unis, pas quitter mon panique, yo n'y pas cap bouer tout tourner, c'est pas vrai. Système n'a besoin yo, économie États-Unis besoin yo, yo pas voué tout tourner. Yo pas voué tourner même si yo gen autorisation parce que yo besoin d'un dev ça. Donc c'est ça me gen pour me dire et encore une fois me féliciter président Trump et m'expliquer que il a suspendu balai de Haïti parce que nous prend non républicain dit que c'est raciste et la démocrate qui yo même pensé nous c'est choulio, c'est pour craser pays, piller pays tout le temps. Donc pour même position par là, vous pensez que l'arrivée de Donald Trump 20 janvier qui a venu là a changé données politiques surtout en Haïti. Bon, nous taboué, c'est pas un nèg qui vraiment aimer rentrer dans politique. Nous on est là font bagarre de pour, ils font bagarre d'éclat, mais il était démocrate toujours bien ça comme habitude pour penser c'est au plus bien qu'on est. Dey no bed. C'est au poudou qui j'en pour vivre, qui j'en pour manger, qui est-ce qui pour gouverner, qui est-ce qui corrompu, qui est-ce qui écrasé et ils ont fait combien de temps? Il a paniqué nèg ça. Il avait essayé d'écraser, monsieur, apprendre comment le système ça va bon. Et m'espérer que la corriger le système ça et la font passer main dans le système ça. Merci. Parce que la bon pour nous, la bon pour le monde, et a fait que l'ambassade américaine vienne à plaider rentrer dans le bagage Haïti, voler, piller depuis 1994, nous espérer que la bon fin assister à manœuvre ça, à bagage ça. Et encore une fois, c'est un gros bagage pour le montrer à Haïti, que c'est nous Haïti pour sauver Haïti. Ce n'est pas les États-Unis qui ont sauvé le bonheur. Ce n'est pas l'autre monde qui a sauvé le bonheur. Là où nous perdons ça, je dis, parce que un président change dans le pays, nous perdons retourner la caille. C'est parce que la caille, nous n'avons pas de travail pour vivre plus bon. C'est parce que le gouvernement, nous sommes une équipe volée, une équipe chatte. C'est nous-mêmes, Haïtiens, quel que soit à côté de nous, pour nous mettre ensemble, pour nous réfléchir comment nous avons fait Haïti venir tout le monde bon côté, pour même les États-Unis, un président mondial, pour ne pas obliger à paniquer. On fait la caille, nous, bon. On travaille pour Haïti venir bon. On met fin à des autres et à des rives. Alors, question pour nous finir avec vous. Question toujours été, nous avons commenté là même avec Vladimir Matéan. C'est une question de leader éclairé, Vlad. Qui est-ce qui est capable de mener des négociations, qui est capable de discuter avec Blanc? Nous toujours en panne de leaders en Haïti. Et nous voyons ça qui a passé là avec le conseil présidentiel, ça quoi, pas de délai là, premier ministre Gary Conille. Mais est-ce que là, 4 ans Donald Trump,
nous ka di gen des moun kap la sou le terrain ou même de l'autre moun ki nan ekip ou n'ap ka profiter de ça pour fon on diplomatie éclairée. Premièrement, ça nous gen pour nous faire c'est prendre pouvoir, retirer moun sa au côté ou ya la. Yo pa gen place là. Y a blague Haïti non trouve chaque jour pi mal. C'est pour nous même haïtiens nous mettre nous ensemble pour retirer moun sa là. Yo pa capable décider, il pas normal pour son équipe voler. Que OK mais pas moi dit non ULC c'est dit tout le monde dit tu voulais pas prendre décision pour Haïti il pas normal sur des monde qui tout des problèmes dans corruption que soit dans question voler cob et reconstruction Haïti ou bien voler cob et BNC pour c'est encore qu'a signer et qu'a prendre décision ça pour Haïti sécurité pays pas capable nommer ambassade. Je dis à ces ambassades américaines qui commandent en chef la police, c'est lui qui commande en chef l'armée, c'est lui qui commande en chef, si monsieur Gézam dans la rue, si mesdames, c'est pas moi qui dis, c'est ambassade de deal. Donc il est pour qu'on fait à bagaille ça, pour mettre un fait à bagaille ça. Merci, Desi Venès. Merci, mon frère, la croisée, la mitra junior. Merci, Abel, mon frère. Alors, des amis, continuez, like, partagez, quittez un commentaire. Et si vous n'avez pas de besoin de cette nouvelle, abonnez-vous avec nous pour nous garder la communauté. Merci, Desi. Mon nous, les politiciens, mais leader politique, nous en Haïti. En ouais, est-ce que les que y arrivé dans genre de situation ça yo ou dis-moi est-ce que les que y arrivé dans phase ça qui comportement langage que ou gagné et comment est-ce que yo primé Haïti? Est-ce que primé Haïti? Est-ce que mettez Haïti devant? Est-ce que mettez Haïti d'abord? Alors est-ce que je dis hein Donald Trump mettez États-Unis d'abord. Mettez États-Unis devant. Kamala Harris mettez États-Unis devant. États-Unis d'abord. Même les c'est perdant course électorale présidentielle. Est-ce que l'élection États-Unis qui fait là et côté Donald Trump rivé réélu et li pral 47e président États-Unis, est-ce que ça pral gagner de retomber sur le monde? Y compris Haïti, n'a dit oui. N'a dit oui. L'abgé de Donald Trump, abgé pour passer 4 ans. Physiquement, selon sa que constitution américaine dans Bali, durée mandale, c'est 4 l'année. La prêté serment le 20 janvier 2025. L'abgé pour les mêmes pouvoirs. Le 20 janvier 2029. Jean, maman loi, pays États-Unis en deal. Et pendant 4 années, ça, moi, je suis certain pour qu'elle travaille dans l'intérêt des États-Unis. Il va travailler d'abord. Dans l'intérêt du peuple américain. Oui. Oui. Les prêts travaillent d'abord pour améliorer les conditions de la vie. Peuple américain. Kounia, ou même qui c'est immigrant qui a vivre aux États-Unis, ou pas parmi moun qui pourrait bénéficier ça. Ok? Ou pas parmi moun qui a bénéficié ça. Mais d'abord, c'est intérêt États-Unis. D'abord, c'est intérêt américain pareil. On laisse ça clair pour nous. Et on comprend haïtien qui immigré qui vivent aux États-Unis. Soit qui par un statut, ok, qui par un statut légal,
on comprend qu'est sauté qui au gain. Alors c'est pas seulement immigrant haïtien. Immigrant c'est que plusieurs immigrants d'autres pays qui pas gain statut légal qui est sauté avec rivé Donald Trump. Mais comme n'a pas les pour Haïti, haïtien frère me pareil moi yo. Et ça fait m'a parler de haïtien. Parce que rivé Donald Trump là c'est pas seulement haïtien qui vivent aux États-Unis soit qui pas un statut légal qui est sauté, mais non. C'est tout immigrant qui n'a pas un statut légal qui est sauté avec rivé Donald Trump en tête États-Unis. Et je dis à me comprendre tout. Moi, je comprends obligation qui va nous qui sauté. Moi comprendre obligation qui va nous qui sauté. Parce que dans campagne électorale Trump, il était vraiment mis accent sur question de étrangers qui a vivent aux États-Unis qui pas gain qui illégal. Elle te dit moun sa yo li pral déporté yo. Yeah. Il dit moun sa yo li pral déporté yo. Et c'est ça qui bay moun yo en pile qui sauté. OK. C'est ça qui bay moun yo qui est sauté. Mais m'le ken comprendre. Pas rien qui dit que ça trompe tap dit nan campagne électorale yo, pas rien qui dit la fè yo et qui j'ai la fè si la fè yo. Et pas rien qui dit tout s'il pas fè ou tout, l'gè doit fè, l'gè doit pas fè. Et kounya si la fè gagne de façon ça a défini. Et s'il pas fait le tout, c'est encore mieux pour immigrants qui vivent aux États-Unis. Et parmi eux, les immigrants haïtiens. Yeah. Parmi eux, les immigrants haïtiens. Mais moi-même, je dis clairement que je dis à ça, je veux qu'ils comprennent. Parce que m'le m'yo comprendre tout. Et pas seulement haïtien qui a vive États-Unis qui était vraiment focus de élection ça. Et pas seulement haïtien qui a vive en Haïti qui était tellement focus de élection ça. Mais gè de le groupe moun ki n'a pas pensé qui était tellement intéressé. Par exemple, israélien, palestinien. Ça a été vraiment intéressant. Et je dis à question guerre qui gagne dans le Moyen-Orient, Israël avec Hamas, mettez avec je dis à Liban, guerre, là aussi Ukraine, guerre ça yo, yo pas joué en faveur Kamala Harris. Yo pas joué en faveur Kamala. À côté de le problème qui gagne, oui. Mais ensemble de guerre sa yo, yo pas joué dans intérêt Kamala. Parce que yo critiqué comportement Joe Biden à toute Kamala Harris qui pas prendre de décision pour te empêcher guerre Israël Hamas nan. Côté que je dis hein, l'armée Israël presque tout est 50 000 moun. L'armée Israël détruit et Gaza. Bien que c'est action mais réaction. Parce que si militant Hamas pas tel étouillé autant de Palestiniens et Israéliens et kidnappé quantité Israélien ça yo, monsieur est certain, l'armée Israël pas pral jam agir sur comme ça. M'bosse. Mais quand il y a Hamas qu'on est que le pas gain face pour le goût mais là fait attaque ça eh bien Israël tombe et agit et qui menait du 7 octobre 2023
23. Rive Joukamo on a parlé en là, gè Israël Hamas a pas jamais campé. Et majorité moun ki mouri nan gè et nan frappe israélien yo, c'est si moun ak fòm. Mais faut comprendre. Et guerre qui existait entre la Russie et l'Ukraine non, ça lui même qui plusieurs années, ça qui plusieurs années. Kounya, pendant ce temps, États-Unis a fourni moyens avec Ukraine, États-Unis a fourni moyens avec Israël. Kounya arrivé Donald Trump, ok? Rivé Donald Trump dans Maison Blanche là, qui comportement qu'il va gagner? Rivé Donald Trump dans la Maison Blanche le 20 janvier 2025 arrivé là. Qui relâche comment le cal commence à développer relation li sur le plan international et qui est pour avec conflit qui existait dans le Moyen-Orient et conflit qui gagnait entre Ukraine et la Russie. Parce que, vous avez dit, mais Russie, Ukrainien, Israélien, Palestinien yo. Je sais des monde qui était vraiment préoccupé avec élection États-Unis. Et gena yo qui États-Unis. Gena qui réside aux États-Unis. Kounia ça veut dire que en pile pays dans monde là qui était à suivre élection États-Unis. Yo chaque te kon intérêt ki yo tap tann ki est nan deux moun sa yo ki a vin président États-Unis. Ma on comprend ça me dit. Elle dit te gen des intérêts so bon côté Harris mon cap supporter Harris parce que gen des intérêts yo ta vle c'est Harris ki bon. Gen deux moun cap supporter Trump mais yo gen des intérêts yo gen des raisons ki fait yo ta vle c'est Trump ki bon. Ça veut dire que intérêt yo yo en pile et intérêt yo divers intérêt yo en pile intérêt yo divers OK. Intérêt en pile intérêt divers. Mais pour nous-mêmes haïtiens intérêt nous comme haïtiens li plus que une question de haïtien qui ici aux États-Unis. Haïtien qui ici aux États-Unis. Peut-être qui eux-mêmes qui va gagner papier. Okay. Qui donc je dis hein mais que haïtiens qui vivent en Haïti yo comprendre et même si là qui aux États-Unis yo moi veux que yo comprendre que oui élection États-Unis intéressé nous
Parce que l'a déterminé la vie, avenir, disons, plusieurs milliers de compatriotes haïtiens qui eux-mêmes vivent aux États-Unis. Mais pas oublier que plus gros intérêt que haïtien gagne, c'est goumen pour la caille nous bon. Plus gros intérêt que haïtien gagne, c'est bataille pour une bataille pour que la caille nous bon. Bon, c'est pas ça qu'a fait. Parce que le regarder deux moun ça le bois là qu'a pété ça avec Koni qu'a gomé toute la cette journée pour question de remaniement ministériel, qu'a gomé toute la cette journée pour question de pouvoir au vin quoi quand que monsieur dame que ça dans l'état il pas gain intérêt, il pas gain affaire pays à régler. Il n'y a pas de cause pays à régler. Non. Pas de affaires pays à régler. Et c'est ça que je dis non. Que je comprends que. Ok. Je comprends que l'élection États-Unis intéresse nous un peu. Et c'est le monde, oui. Et là, il y a un impact. Je connais si c'est dans le bon ou dans le mauvais sens. Mais l'abge un impact sur Haïti. L'abge un impact sur Haïti. Quel que soit le bon, bien mauvais, l'abge un impact sur Haïti. Ok? Mais que là, quel que soit l'impact que l'abge sur Haïti, mais faut nous dire, Haïti c'est pour Haïtien lié. Haïti c'est nous-mêmes, c'est Haïtien qui pourrait faire Haïti. Yeah. Nous avons une bourrade, nous avons une support, non mais international là. Mais c'est haïtien qui vous mettez ensemble pour y refaire un autre Haïti. Et pas blanc qui fait pour nous. Yeah. Parce que bagarre la clé. République est passée, rien pas changé. Démocrate passé, rien pas changé. Ça veut dire tous les détendants yo, y pas venir rien pour vous. Ou la caillou, c'est pour prendre décision la caillou, bien que on connaît États-Unis, lycée met Haïti. Ah, de, en pile dans décision qu'a prendre Haïti yo. OK? En pile dans décision qu'a prendre Haïti yo. On connaît que c'est pas et ben autorité nous prend décision ça yo. Non pas eux même. Et ben eux même qui prend décision ça yo. C'est les États-Unis. Si nous regardons, par exemple, Rivière Matéli dans tes pays. Rivière Matéli comme président pays. Qui est-ce qui te dit Matéli pas américain, ça haïtien lié? Kenneth Merton. Qui est-ce qui voit Matéli dans deuxième tour? États-Unis. Qui est-ce encore qui voit Jovenel? États-Unis. Non, course électorale. Qui est-ce qui t'a supporté, qui t'a couru Ariel? Les États-Unis. Et qui utilise de l'autre groupe, de l'autre instance? Qui est-ce qui bat nous capeter en là? États-Unis qui utilise CARICOM. Qui est-ce qui bat nous connu? C'est États-Unis clair. Qui donc? Moi, je reconnais que vraiment, fuck États-Unis, fuck nous prenons à grandir manger nous. Même nous connaître États-Unis, li fouille école dans toute bagarre la canne. Mais pourtant, c'est temps. Si qu'on te dit que c'est grand monde tête nous. Si qu'on te dit n'a fait pays, nous sommes peuple qui souverain. On est d'accord avec que yo pas t'a fouille école tout nous gars comme ça non. Non ça n'a vivre dans ça dans pays, dans activité pays. Mais nous tellement ba au côté pour entrer. Nous tellement ba au côté pour passer. Mais c'est normal. C'est normal. Je apprendre que l'actuel président des États-Unis et Joe Biden qui t'a contacté ou dimanche qui t'a relé président Eli États-Unis Donald Trump t'a relé monsieur et Joe Biden promet tout engagement
pour une transition pouvoir. Ça veut dire pour pas gagner un rien comme problème et la passer pouvoir par lui-même. Et sans problème. Ça veut dire pas besoin maintenant tête pour quelqu'un problème, pour quelqu'un ceci, pour quelqu'un cela. Joe Biden dit non. Joe Biden dit non que lui-même il a voté alors les prêts pour faire une passation pouvoir de transition avec Donald Trump, sans problème. Et pendant échange conversation ça, Biden t'a provoqué, t'a prolongé tout. Ça a été une invitation by Trump dans Maison Blanche. Ça avait été invité, monsieur. Et si y a ça, si y a un désir pour collaboration pendant un moment ça, essentiel dans l'histoire américaine. Elle dit collaboration, quel que soit l'été républicain, quel que soit l'été démocrate, ok? Quel que soit l'été républicain, quel que soit l'été démocrate, c'est États-Unis de first. États-Unis d'abord. Ok? États-Unis d'abord. Et c'est ça que nous comprenons. Même là, tu vois que dans la période de campagne, dans la période électorale, là, bah, elle a été serrée. Okay? Elle a été serrée. Mais ok, bon. Y a goumé pour intérêt aux États-Unis. Ok? Y a goumé pour intérêt aux États-Unis. Yeah. Il y a goumé pour intérêt États-Unis. Pour yo c'est États-Unis qui priorité yo. Ouwan. C'est États-Unis d'abord. C'est États-Unis d'abord pour yo. Oui. Et Kamala Harris, vice-présidente là, li mette accent sous importance yon transfert pouvoir la paix avant premier remarque publique li après victoire président et li Trump là. A y dire, yon tout yon vle la paix. Yon tout vle que c'est États-Unis opprimé. Koun ya ou même ap toujou dil, ki sa que politicien nou yo ki sa moun nou rele acteur politique nou yo leader politique nou yo ki sa yo même yo va servir avec ça comme exemple comme modèle yeah parce que je dis hein ça me que chaque moun comprenne. Américain, les mêmes, li c'est un peuple qui compte vivre. Ok? Li c'est un peuple qui compte vivre. Li c'est un peuple qui prime intérêt la qualité d'abord. Qu'on a engagé nous même comme haïtiens. Engagé nous même comme haïtiens. Qui ça nous prime? Gardez là. Gardez une bataille, une division qui existait entre deux têtes exécutives là. Qui c'est conseiller président yo et qui c'est PM Gary Kouni. Gade nou véritable bataille gomete. Y a fait tout temps passé ou là. Non question remaniement ministériel. Non question fon changer tel ministre. Fon tirer tel ministre, fon verser, si fon verser là.
Il a fait tout temps au passé dans ça. Yeah. Il a fait tout temps au passé dans ça. Parce que il a besoin de changer ministre. Il a besoin de faire ceci, il a besoin de faire cela. Il a fait tout temps au passé dans ça. Au lieu qu'il opprimé. Yeah. Au lieu qu'il opprimé Haïti ou même. Mais vous préférez faire tout le temps. Yo. Yeah. Yeah. Vous voulez que vous primez intérêt. Yo. Intérêt Haïti. Mais vous faites une bataille. Une bataille, vous avez tel ministère, vous avez tant ministère, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Yeah. Son bataille, comment ça fait là? On bataille tant ministère, tel ministère, tel ministère. Et bataille ça, on a besoin de faire là. Et bataille ça, on a fait là. Vous comprenez? Pendant ce temps, je dis, hein, véritable problème qui existait, hein, véritable sagge là comme situation les que nous garder les que nous suivre les que nous observer nous est quel que soit le capité quel que soit le connu volonté pour être Haïti dans ça là moi même toujours dis beaucoup elle yeah. Volonté pour être Haïti dans ça là. J'aime que next ok ni les autorités là yo nous les capété ok next nous les capété yo ok nous les capété nous les PM gars ekoni yo tout ensemble est-ce que vraiment est-ce que vraiment yo gagnen san rele intérêt pour que yo retire Haïti? OK? Nan sa li la. Et je dis à mle que chaque moun comprend ça. Que quel que soit ou même qui mettait dans tête ou OK quel que soit ou même qui je dis a tellement t'ap tann élection résultat élection États-Unis parce que ou a chauffé Kamala ou a chauffé Trump mais laissez nous on dégage même énergie ça pour notre Haïti. Yeah. En dégager même énergie ça pour l'autre Haïti. Yeah. Dégager même énergie ça pour l'autre Haïti. Yeah. Et moi c'est énergie ça même pour nous dégager. Yeah. C'est énergie ça même pour nous dégager pour nous gagner l'autre Haïti. Yeah. Pas seulement dégager le pour étranger, pas dégager seulement pour États-Unis, mais dégager le pour la caille nous tout. OK. Dégager le pour la caille nous. Dégager pour la caille nous. Et je dis quoi que si nous dégageons pour la caille nous. OK. Si nous dégageons pour la caille nous, on met rete quoi que n'a sorti dans ça ni là. Yeah. Si nous dégageons pour la caille nous,
n'a pas sorti dans cette année-là. Et je dis à que chaque haïtien comprend ça. C'est comprendre que pigo intérêt, pigo sens d'intérêt haïtien, chaque haïtien, et surtout si là qui en Haïti, et si là qui à l'étranger, et qui toujours a rêvé pour gagner l'autre Haïti, eh bien c'est battre pigo sens intérêt à aller Haïti. Haïti d'abord. Même chose je dis en là que ni Kamala ni Donald Trump c'est États-Unis d'abord pour eux. C'est États-Unis d'abord pour eux. Peut-être je chaque temps bon un discours électoral mais quitter pour si Kamala devine bon ou t'as pour discours électoral qu'il t'a vendre est-ce qu'il t'a gagné même discours ça. Gagne ça t'a dit dans discours électoral lien. Il va taper tourner avec même j'ai le tape Dieu dans discours non campagne là et c'est de même tout Donald Trump propre il des bagages que l'a dit là il était qu'on a dit dans campagne lui une fois que qu'on y a réélu li élu ou après même avant que li installé comme 47e président des États-Unis ou voir que l'a commencé changer modérer langage lui nous pas dit que li pas prendre des décisions non. Mais après, elle commence à modérer le langage. Parce qu'il connaît là, son pays, là, son pays, c'est pas, il n'y a pas qu'à décider pour le dire la fesse à l'agent, il le fait là. Vous comprenez? Il n'y a pas qu'à décider pour le dire, c'est l'affaire, mais qui j'en la fait. Il pas qu'à parce que il veut tel bagay et bien l'égiste qui dit ok m'a fait tel bagay non il va comme ça mais kounya ça pas empêché qu'il prend des décisions d'intérêt pays. Ça pas empêché que il prend ensemble décision pour défendre intérêt pays. Parce que c'est pays que lui. OK. Yeah. C'est pays que lui. Il cap quand il pas de décision que lui pour défendre intérêt pays. Il cap prend n'est pas de décision pour capable gérer pays qui c'est États-Unis. Et voilà que nous-mêmes, les là prend des décisions, c'est ça qui pas bon pour pays qui nous prend et nous prend l'avantage étranger. Les là prend des décisions et nous-mêmes comme haïtiens, nous prend ça pas bon pour haïtiens. Et ça qui bon avantage étranger. Et nous bien tout, nous d'accord prendre de dicter de A jusqu'à Z dans mes étrangers pour nous capable craser pays nous. Donc c'est de prendre dicter dans mes étrangers pour nous capable craser pays nous. Et je dis m'le ken go prendre ça. M'le que nous comprendre ça. M'le que nous garder pour nous. Est-ce que nous voulons une autre Haïti? Est-ce que nous voulons une autre Haïti? Est-ce que nous pouvons l'autre Haïti? L'autre Haïti que nous voulons,
L'autre Haïti que nous voulons jeune penser là. L'autre Haïti qui est dans la tête nous. Qui ça l'a posé comme action? Et qui gens que nous voulons engager nous dans poser de action dans intérêt pays ça? Je dis à m'a dit immigrants qui aux États-Unis, immigrants haïtiens surtout. Gardez calme nous. Gardez calme nous. Pas m'a dit si que des possibilités pour nous capable de jouer un statut légal pendant les États-Unis, fait. Respectez toutes conditions, fait. Mais évitez pour ne pas entrer dans l'euphorie. Tête chaude. Non. Posez-nous. Tout ça, l'État a dit, a décidé, la public n'a pas connu. Et laisse à nous-mêmes, n'a pas compris que. Laisse à nous-mêmes, n'a pas compris que. Mais qui décision, mais qui ça pour nous faire? Yeah. Mais qui décision, mais qui mesi, et mais qui ça nous doit poser comme action? Parce que si n'a rentre dans la logique fait tête chaud, vous comprenez? Parce que et Donald Trump, bon, patati patata, il y a tel problème, bagay, oui, nous pas dit non, car toujours il y a des problèmes, car toujours il y a des situations présentées, mais c'est garder calme. Posez-nous. Gardez calme, posez-nous. C'est meilleur bagage capable dire. Gardez calme puis posez-nous. Mais pas dormir, pas négliger sous des avantages que au ban nous pour nous capable gérer statut nous. Pendant nous là États-Unis si que nous poko ge san rele un statut légal. Yeah. Mais après ça, États-Unis sont pays la loi. États-Unis sont pays principe. Vous comprenez ça? OK? États-Unis sont pays la loi. États-Unis sont pays principe. Yeah. Sont pays la loi. Sont pays principe qui donc OK? OK? Okay. Je dis là, important que chaque grain haïtien, que chaque grain monde capable de comprendre. Problème haïtien, c'est haïtien pour résoudre. Ok? OK. OK. Problème haïtien. Haïtien. Qui vous comprendre que vous devez arranger davantage. Je dois prendre toute disposition nécessaire pour que vous arrangez la caillou. OK? Parce que pays d'Haïti, nous sommes un grand peuple. OK? Nous sommes un grand peuple. C'est un grand pays. Et je dis, hein, nous pas comme si seulement éterniser nous, nous mettons espoir sous le monde. Nous pas seulement éterniser nous pour nous donner ces étrangers qui peuvent nous faire pour nous. Non. Des sinon, il t'a fait déjà. OK? C'est job nous comme haïtiens, c'est
mettez Haïti devant. C'est greffé Haïti. Yeah. Mettez Haïti devant. Greffé Haïti. C'est mettez Haïti devant. C'est faire un autre Haïti. Et le possible. Yeah. C'est possible. Mais je dis, hein, comprendre que Haïti ça, pays ça, qui nous remet en pile là, laisser doué engagement chacun haïtien pour bataille, pour permettre que, pour c'est pas tout en ces sous étrangers à compter, mais c'est sous tête nous pour nous compter, pour nous faire un autre Haïti, un Haïti de rêve. Merci tout le monde. Les SMC donc que ça m'était notre nouyo, nouvelle la tombée, c'est que Donald Trump, monsieur élu, 47e président États-Unis, et monsieur passé à 277 et voix grand électeur, et Kamala Harris, lui-même, lui fait 224 voix grand électeur. Ça veut dire que Donald Trump, lui prêt à retourner pour un deuxième mandat dans la Maison Blanche et d'ici 20 janvier 2025, il va le passer et 4 années dans tête la Maison Blanche, dans tête États-Unis comme 47e président États-Unis. Et Baba nous menti et quelqu'un qui dit que pas de surprise pour que Joe Donald Trump vienne comme président des États-Unis, on le fait encore. Mais quelqu'un qui était souhaité que c'était Kamala Harris qui lui-même devienne président États-Unis. Mais nous allons regarder ça, yo, et nous allons regarder un ensemble de États, un ensemble de states côté que, et c'est de États démocrates que vous voyez, avec un pile surprise, mon yo gade, yo est que Donald Trump lui-même, monsieur Rive Gagné, et Kamala Harris dans state ça, yo, mais dans État ça, yo. Et Donald Trump, monsieur, après que résultat, alors, bon, mais que, officiellement, comme si beaucoup bail par rapport avec comme si bio électoral, mais que en pile de gros médias États-Unis, Fox News, qui a déjà annoncé ça, CNN, mais tout de suite après ça, Donald Trump parlait et il rencontrait, alors il parlait avec un peuple américain fanatique Lio, pour dire que l'Ipral remettait America campé. America the first, avait dit que c'est America que c'est priorité, et je dis là, et ça qui c'est priorité Trump et c'est ça que c'est priorité un dit républicain qui au même temps voté et Donald Trump pour le capable venir 47e président et États-Unis amis internautes et des Ibanais. La situation est-ce qu'elles sont surprises qu'on ait que Donald Trump pour arriver président et pour la représenter peuple américain au niveau de la Maison Blanche pour comme 47e président des États-Unis d'Amérique. Pour tout le monde il y a besoin non c'est pas une surprise parce que il était ouais et depuis au mois non question avancée campagne yo et ben Donald Trump est capable arriver président. Mais malheureusement pour ensemble monde qui pratiquement et t'as essayé de garder nos propos discriminatoires que Donald Trump pratiquement te gagne ou après un paquet de migrants te prend dispositif à l'encontre de Donald Trump. Mais du temps que j'en suis dit, il paraît bizarre. Non, ensemble, c'est côté que vous connaissez, c'est démocrate qui pratiquement gagne tradition gagne élection là. Là où c'est Donald Trump qui gagne élection là, d'ailleurs, vous posez cette question qui ça permet de gagner changement ça. Mais songez, élection pour année, pour 4 années mandat. Pour la Maison Blanche, en pile la mounio évalué. OK? Présidence Joe Biden par rapport avec Jean Lavie les États-Unis d'Amérique. Et yon questionné, question guerre qui gagne dans le monde là, yon réagi également pour avenir petit yon par rapport avec Charte de la vie qui gagne les États-Unis d'Amérique. Kounia, la situation. Nous tout le temps à garder question ça. Qui ça qui pratiquement intéressé yon haïtien? Qui a vivre en Haïti ou bien qui aux États-Unis dans question qui gagne pour avec question élection les États-Unis d'Amérique parce que si vous avez remarqué blesse en pile haïtien pas dormi pour t'a veiller élection ça et c'était une élection où t'a boire en pile monter espérer une remontada malgré Kamala Harris pratiquement et le Yogan il était dans que camionnette là exact les Donald Trump a pas avancé pour chaque haïtien. Yo prier en pile, yo veut comprendre que mon dada est possible. Surtout les regarder. Yo te vinn wè que Donald Trump té avec 230 votre grand électeur. Et sans doute yo te gardé toi Kamala Harris t'a avancé dans 200 combien après aller. Est-ce qu'il pas 214 et si mémoire va faire défaut, dans avancé que t'a passé donc t'a avancé, li pratiquement
te créé suspense avec surprise dans l'élection Blaise Pierson. Mais quelques minutes plus tard, moun yo pral pratiquement confirmé que Donald Trump li pratiquement traversé avec même quantité vote en plus que ça t'a cap espérer qu'il t'a cap arriver faire Blaise Kounia, il permet que les républicains obligés à repenser et pas oublier l'étape difficile pour Donald Trump pratiquement pas de faire comme ça. Songe vote grand électeur, li sorti à travers Congrès. Kounia faut qu'on garde. Mais personne. Quantité moun que républicain était déjà gagné soit à la Chambre des députés, quantité moun qu'elle était gagné au Sénat. OK? Je dis à moi-même parce que les États-Unis gagnent, les Haïtiens Kounia, qui ça qui positionne, qui ça n'a fait parce que moi estime bon bataille sérieux. Quand Haïtien qui était États-Unis depuis un bon bout de temps, avec Haïtien qui fait entrer, soit par CBB One, ou bien sous programme Parole Humanitaire. Qu'on y a en pile question qu'a posé la situation. Est-ce que ensemble, ça, Donald Trump t'a dit, dans la campagne, il prend le café? Parce que l'on connaît, les États-Unis pratiquement, et son grand pays, qui fait ensemble de développement et avancement, avec base migrants. Les on est où le président, soit ensemble déclaration yo, y aller à l'encontre des migrants, et bien il pourra pratiquement déclarer hostilité pour joindre les États-Unis capable de gagner des problèmes de situation. Des événements, les SEM dit que après élection, après réélu, nous disons comme ça, et Donald Trump, qui a pile autorité, chef d'État, à travers le monde qui a déjà commencé à réagir, gagné un président français Emmanuel Macron qui félicitait Donald Trump, et l'idée souhaitait espérer que il pourra travailler dans tout ça, les respect et permettre que la France et États-Unis, eh bien, développer de très bons rapports, de très bonnes relations, et par rapport avec ça, gagné un enjeu politique, géopolitique mondial lié. Et gay même et président Capet Alistair Voltaire qui les même tout et qui félicitait et Donald Trump et il souhaitait que et nouvelle administration États-Unis et pral vraiment développer de très bonnes relations avec Haïti et ça qui pral porter sérénité, sécurité, la paix en Haïti. Ça veut dire que des civilistes réaction sortit qui bon pas bon et à travers le monde après réélu et Donald Trump comme 47e président États-Unis et dans élection qui est faite mardi 5 novembre 2024 là. Et là que désir et pas seulement et on dit pour poste président des républicains gagné non même au niveau des Sénat Congrès américain républicain remporter la main parce que en pile siège en dedans et Sénat ça n'est le Congrès américain. Elle dit là encore elle dit républicain fait un raz de marée dans élection 5 novembre 2024 you. Désir moi c'est que moi avec vous comme deux haïtiens et de jeunes directeurs d'opinion et cap suivre et en dit réalité États-Unis hein, et en même temps tout qui mettait en pile focus sur ça qui passé la caille nous parce que nous croyons que la caille nous pour nous-mêmes l'état de priorité nous mais comme je dis hein, avec réélection de Donald Trump réélu Donald Trump notre tête États-Unis moi veux que en pile mon cap garder émission ça dans moment et comprendre ça nous dit là yo. Et nous allons faire des analyses sans et sentiment. Pas parce que nous sommes haïtiens et pas parce que tout, que nous sommes entrés dans les affaires élections États-Unis. Non. D'ailleurs, et c'est pas oublié en 2020, les que Trump a dans l'élection face avec Joe Biden, eh bien Trump l'était perdu l'élection. Joe Biden a fait 306. Grand électeur qu'il a gagné et Donald Trump a gagné 232 grands électeurs. Parce que pas oublier que il y a 638 grands électeurs. Et ensemble de États, il y a départagé avec quantité électeurs qui gagnent. Bon, histoire électeur, bon, c'est ça qui a pris toute une émission pour que nous fassions mieux comprendre et question grand électeur aux États-Unis. Hein. Parce que, bon, je vais vous comprendre bien. Et Kamala Tegen doit faire plus quantité voix par rapport avec quantité moun qui est déplacé à voter. T'as bien ça me dire? Kamala Tegen doit. Question démocratique là. Question démocratique là, côté peuple en sortie pour aller voter. Exactement. T'as bien? Dans l'élection démocratique, comme si c'est peuple qui sortit à voter, Kamala Tegen doit faire plus voix que Donald Trump.
Mais bon histoire de grand électeur, parce que pas oublier, États-Unis, c'est grand électeur qui met comme si qui bail président. C'est grand électeur qui bail président. Et pas oublier, dans question grand électeur là, dans pour arriver alors c'est 638 grand électeur, mais moun qui arrive 270 avant, normalement, eh ben il gagne ta gagne élection. Elle dit là, puisque Donald Trump déjà arrivé 277 et Kamala 224, et malgré sa désir, ensemble de l'autre État qui va même contrôler, qui va faire contrôler, non? Et l'organe État Sayo, ou est-ce que en faveur Donald Trump, si vous avez même contrôlé État Sayo, ou t'as jeune que Donald Trump t'a gagné Kamala avec n'importe 300 combien électeurs. Koune ça pour nous comprendre. On dit que même les Kamala te gagné plus de monde qui t'a voté. Bagala pral chita dans question grand électeur. C'est grand électeur bagala pral chita, c'est là pour nous comprendre. Et je dis hein, mais ça me le ken comprendre. Et ça m'a dit très fort. Quel que soit Kamala qui est bon et kounya comme kounya c'est Trump qui bon, c'est États-Unis d'abord li pour yo. C'est États-Unis li d'abord pour yo. C'est vrai que yo chaque yo te gagne un politique générale qui yo te gagne. Yo chaque yo te gagne sans rele des thématiques qui yo t'a traité dans campagne électorale yo. Mais je dis là même l'autant de Kamala pas bon, mais l'histoire était américaine. L'histoire était comme première femme qui vini présidente et alors vice-présidente États-Unis. Comment mais ça me dit hein? Et ceci dit, même les que Donald Trump t'a passé toutes 4 ans là, il va travailler avec vous comme si comme démocrate. Mais Kamala a toujours retourné dans la course électorale là, après 4 ans Donald Trump là, comme candidat à la présidence. Ça a dit que c'est America d'abord. C'est America d'abord. Je dis c'est les États-Unis qui gagnent. Vous comprenez ça? C'est les États-Unis qui gagnent. Parce que j'aimerais en pile monde et comprendre l'élection États-Unis comme si. Et non! Parce que yo même yo dit clairement, Trump dit la fait pays. C'est États-Unis, monsieur, et mettez capé. Et pas oublier que États-Unis, c'est première puissance économique et militaire. États-Unis, c'est première puissance économique et militaire. Et pas oublier, question économie, hein, l'important. Question économie en sous-discussion, parce que la Chine pratiquement avancé. Bah oui. Tu as fait quoi avec la puissance militaire, là, les États-Unis, mais quand tu as puissance économique, là, depuis un bon moment. Gede Bassouli. Exactement. Gede Bassouli, c'est nous d'accord. Mais qu'on y a là, pas oublier, avec Donald Trump, la pral mette, libre prend en pile disposition pour que États-Unis reprennent sans créer question et puissance économique, là. Parce que pas oublier. Bon, mais pas facile parce que mais pas une bataille, pas une bataille, sur bataille. Il va une bataille économique frère. Parce que tu as les désirs. Ça pour nous connaît. Mais on va avancer. Ça pour nous connaît. Donald Trump, monsieur c'est un homme d'affaires. Donald Trump, monsieur pas politicien. Monsieur pas un politologue. Ouais, politologue c'est là étudier science là. Mais il y a le politologue, politicien c'est ça fait dans la pratique. Et Donald Trump pas ni politologue, ni pas ni politicien. Donald Trump c'est un homme d'affaires. Et qui profite de ça n'est les jeudi hein, de une réalité qui a changé dans le monde et qui a changé aux États-Unis. Et bien, il faut faire l'école et l'hypothèse discours, attendez bien. Hein? L'hypothèse discours américain conservateur yo, l'hypothèse discours américain qui blé que américain toujours été en les têtes là et li rive gagner confiance yo, li rive gagner que yo et li te fait en 2016, li vin perdre en 2020 et là li reprend sou li reprend que encore, li retourne gagner encore et ça veut dire m'a dit que rive Donald Trump dans la Maison Blanche le 20 janvier 2020, eh bien, tout de suite, comme si l'Ipral remette l'économie États-Unis en lettre la Chine, non, mais l'Ipral prend des dispositions, l'Ipral prend des mesures pour le rebaille j'arrête pendant 4 ans là, avec Anzi économie États-Unis et ou qu'a saisi, ouais, soit que Yovin a égalité le même niveau, ou dis-moi est-ce que l'Ipral monte en lettre la Chine, parce que pas oublier. Relation économique, très bien. Relation économique États-Unis et la Chine, pendant 4 années de mandat, Donald Trump, là, les papes douces. Peut-être,
pour États-Unis avec Américains ou bien moun qui reste immigrant qui en États-Unis. Bah on commence à parler pour yo, mais sur le plan économique mondial, relation États-Unis avec la Chine, libéral onti, libéral vraiment grand pile litige la donne. Et pas oublier désir. Dans la question immigration et qui c'est une grosse thématique Donald Trump lui-même qu'il était traité pendant la campagne et Kamala Harris. Et Donald Trump rivé gen bataille ça sur Kamala Harris. C'est pas oublier que yo gade pour yo les que Donald Trump était président en 2016 pour 2020, te gen moins immigrants qui étaient rentrés aux États-Unis. Et pas oublier Américains conservateurs yo, Américains qui croient c'est Américains d'abord là. Yo comprennent que immigrants viennent prendre place, immigrants viennent prendre travail. Je dis à désir. Et question immigration ça, libéral Donald Trump c'est un point parce que pas oublier. Ça c'est une plus grosse thématique que Donald Trump après question économie, question immigration, hein, c'est deuxième plus gros point que thématique que Donald Trump traité et rivé remporté sous démocratie. Et les avancées ces chiffres, hein? C'est un point focal. Exactement. Et les avancées ces chiffres, les avancées données, yo, li montre pas à plus mais que immigrants yo katre pendant période démocrate en États-Unis, hein, li pas fait bien du tout avec États-Unis. Li gade question CBP on frontière Mexique, li gade programme humanitaire et li gade tant de l'autre immigrant de l'autre nation qui déjà États-Unis qui entre illégal aux États-Unis. Et m'a gade désir qui un américain noir me dit parce que on black américain pour me comprendre bien qui dans juin 17 novembre là l'ital voté et li clairement li dit qu'elle vote Trump raison c'est pour ça li dit li pas normal pour la garder des de américain pareil li qui je dis a pas fait équipe pas travail cap dormi dans la rue et qui pas qu'a jeune aucun appui et l'état alors que moun qui vini qui c'est immigrant yo vinn prend comme si yo suis ensemble de privilèges l'état ba comme si baga assurance santé l'état ba ensemble de baga alors que vraiment petit terrain yo pas bénéficier baga ça yo qui donc li dit pas normal et ben ça c'est une raison qui fait que lui même li voter Donald Trump a dire américain qui voter Donald Trump yo réseau qui avancer yo c'est des réseaux que dans la réalité yo montré que c'est réseau qui valable. Question économie, question immigration. Bon, troisième bagage, c'est question avortement. Bon, ça lui-même, les gros aspects et qui voulait gros débat là-dedans. Mais je dis, hein, bon, avancer des yeux, semble que Haïtien comprenne et semble que chaque monde comprenne que l'élection États-Unis que Donald Trump privé élu pour une quatrième et pour une deuxième fois, c'est pas Haïti qui gagne, attendez. Et pas Haïti qui gagne. C'est États-Unis qui gagne. Haïti va faire élection. Oh non mon cher, désir. Gade Haïtien met là qui tellement met là et tellement regardez comme si dans élection ça, wadi met là, si Haïtien était qu'à voter, li divisé, gade Haïtien si yo était qu'à voter, il t'a voté Kamala Harris parce que pour pas déporter Haïtien qui immigre aux États-Unis, mais que Haïtien mais quand Haïtien va venir à Blaise. Quand Haïtien va venir se déporter, c'est pas la caillou. Ah mon cher, gèle pas voter Donald Trump parce que pour capable déporter haïtien qui est États-Unis. Parce que est-ce qu'on est désir? Gèle côté et dans États-Unis, surtout dans Floride qui est haïtien comme si côté connaît. Gèle côté connaît grand pile haïtien là qui capable voter. Yo pensez comme si tu pas voter pour Kamala Harris. Regardez ouais tu gagne zone ça. C'est pas oublier gros bataille haïtien qui était là avant, haïtien qui était là longtemps, haïtien qui a voté avec haïtien qui vient dans Biden, haïtien qui vient dans ci, haïtien qui vient dans ça, vous comprenez? Parce que à tout monde entre dans pays, il y a pas qu'un travail, mais laissez-moi dire je dis. Et même gens de notre Trump dit America d'abord, États-Unis d'abord. Je dis, je crois que c'est États-Unis qui gagne, c'est pas Haïti qui gagne. Même le que ou c'est un Américain peut-être naturalisé, ou c'est un Américain haïtien d'origine, ou bien d'origine coréenne, connaît bien.
Haïti, même là pas aucun intérêt en Haïti encore. Mais connaît bien Haïti, c'est Haïti, gars haïtien qui a vivre là-dedans. Gars Haïti qui a intérêt pour Haïti. Et États-Unis qui gampi haïtien là-dedans non, immigrant haïtien là-dedans, comprendre bien. Jodi an il y a un peu monde qui dit États-Unis grand pile, il va là qui ça des haïtiens qui viennent après le déranger de monde. Mais en même temps tout mon petit désir haïtien frère soeur yo qui a vivre États-Unis. Quel que soit tes Amérique ou tes naturalisé ou tes gagné par contre tes sous asile ou tes dans programme par l'humanitaire Biden ou tes entre basse BP one jodi an on pas créer yon bataille ou guerre dans communauté haïtienne. Bien que nous avons une communauté tout non. Mais on ne pas créer une bataille ou guerre entre haïtiens qui vivent aux États-Unis. Et quel que soit statut que tu as gagné comme haïtien aux États-Unis, quel que soit statut que tu as gagné comme haïtien aux États-Unis, on naturalisé ou gain visa, on a asile, on a TPS, ou entre basse BP one, ou illégal, si on est capable de dire là. M'bri que nous connaissons, nous c'est haïtien. Pas rentrer dans une bataille, dans une guerre avec Donald Trump qui tourne réélu président des États-Unis. Et pas oublier, m'dou, Donald Trump, il pas dit Haïti, non? Il dit États-Unis. Il dit les États-Unis. C'est vrai, m'gon est, on va quelle situation pourrait arriver, qui pourrait produire, mais comprendre bien désir. États-Unis, il a fait pays. C'est pays qui a fait. Ou même, c'est gourmet pour la caillou, pour faire payer tout, désir. Blaise, on est qui président les États-Unis d'Amérique, ou t'as dit qu'elle gagne une couverture présidence mondiale. Dans ce que mon yon a pissé d'autre gardel. Mais cependant, chaque pays, yon pratiquement gagne responsabilité yon dans la bataille ou développement politique, économique et société. Je veux dire, c'est qui mode monde. Quel pays d'Haïti a choisi pour mettre à la présidence? Ouais, tout parler en pile qui gagne. Tout autour des élections États-Unis d'Amérique. Ce choix, qui est-ce qui t'a doué vin président entre républicain et démocrate? Gade haïtien qui dit que républicain pas de jambe bon pour Haïti. Parce que si y'a gade, il a Clinton, à Clinton. Ça démocrate. Oui, vous démocrate, mm-hmm. démocrate. Soit PC, donc regardez qui ça monte ça fait en Haïti, qui dégage et au fait. Mm-hmm. Et si on a regardé, toujours démocrate, Joe Biden, qui arrive prendre pouvoir, lui-même avec Harris, t'as dirigé, on regarde ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Est-ce que y a des gens en faveur d'Haïti? On regarde le mandat que dans Donald Trump a gagné. 2016 à 2020. Qui Jean Haïti te, pratiquement ensemble élection et qui gagne plus scandale en Haïti, qui gagne interruption de corruption en dedans de sous et Will Donald Trump. Kounia, ça me fait comprendre, Blaise Peterson, c'est juste pour nous d'accord, pas gagne une mounsao qui a changé, donner Haïti. Mais c'est nous en soi qui pouvons prendre responsabilité pour nous changer, donner qui permettre que Haïti les revive. Qui va permettre que nous sortions des situations extrêmement difficiles que le pays a trouvé. Les États-Unis a gagné. Nous, les Haïtiens, qui vivent aux États-Unis d'Amérique, nous sommes question des principes. Je dis, il y a un problème avec Donald Trump, qui a gagné en ligne de campagne, quand il a parlé des questions de migration, il était exigeant. OK? Par rapport avec Jean-Moun après entrer aux États-Unis d'Amérique. Mais le correct, parce que l'a fait pays. Je dis Haïti qui a fait tout. Haïti qui a pris position sous façon que mon a pris en Haïti. Et c'est l'Haïti et nous t'a dit à travers le monde là. Qui t'a pris son savant? Mon entre n'importe qui gens. Mon décide de entre dans n'importe secteur, dans n'importe qui gens. Mais si la fait pays, si on a décidé de faire pays, lui se dirigeant pays, nous pas que ça t'a de opposé problème avec lui parce que lui décide de diriger pays. Ça c'est occasion. Ouais, l'année 2024. L'hypothèse des occasions profitables pour les Haïtiens de situation. Ça me dit pas là. Nous avons ensemble pays qui ont des relations, échanges avec eux, ou bien relations amicales avec eux.
qui a tenté virer de banon. OK? Les États-Unis nous gagne grand histoire avec lui dans bataille pour Savannah et pour permettre que vous gagne fierté. Ou après discours campagne discriminatoire contre les migrants mais principalement les haïtiens. Est-ce que Donald Trump pas frappé fort dans Springfield Ohio? Ah là ma bon menti haïtien Ohio mais bon ça Ohio lui même pas bon menti depuis jour nek mardi 5 novembre nan et grand pile confrère nous qui même qui États-Unis qui va faire visite dans Ohio pour regarder bon haïtien moun presque pas marché alors black presque pas marché dans la rue Ohio et on paquet activité comme si business haïtien qui était confectionné dans espace ça yo fermé Ohio pas oublier tout désir qui doit avancer pas oublier Ohio et la question et déportation que trop a parlé hein lycée on a côté que trop pral mettre en pile focus sur lui parce que Ohio lycée on state républicain et pas oublier Colistier mais vice président et qui pral diriger États-Unis avec Donald Trump là qui c'est Jelly Vance monsieur c'était sénateur Ohio qui donc là c'est on a côté et bah là pral très très li capable bien sûr li capable très 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 compliqué pour immigrants mais haïtiens seulement mais pour immigrants mais haïtiens en premier lieu madame aussi très bien kounya qu'est-ce que nous devons dire non qu'est-ce que nous devons comprendre dans tout ça je dis nous trouvons une situation côté n'a chercher refuge c'est que nous pas casuel en pile là nous sous suspense t'as que Jean-Jean Bruno t'as qu'à dire après haïtien après immigré au fin tendé c'est Donald Trump qui gagne l'élection, on diarré dehors. Après, il a posé cette question, qui ça va arriver fait? Parce que moi, plusieurs petites vidéos fanny qui commencent à faire, côté mon a ramassé balette, côté mon a couru, dit Donald Trump il veut gagner l'élection. Oui, Donald Trump gagne l'élection. Est-ce que vous pouvez arranger vous pour chercher un statut légal depuis l'autre rivière? Est-ce que vous pouvez pas payer taxes? Est-ce que vous pouvez arranger sur ça? Blaise, un bon matin, un président des États-Unis d'Amérique qui gagne un discours anti-immigrant, eh bien, il gagne un discours après le directement gagne impact sur l'économie des États-Unis d'Amérique. Yeah. Parce que il y a un pile gros investisseur. De qui est-ce que l'investissement aurait été viable? C'est vis-à-vis avec la présence immigrant, oui. Exact, exact. C'est eux qui travaillent. C'est eux qui travaillent. Et si on regarde la question économie, même que de façon banale, ok, n'a pas ensemble de ça que migrants ont porté. Quel est le monde qui vient dans le programme par l'humanité Biden? Quel est le monde qui vient dans CBP One? L'Elvin là, ensemble des process qu'elle a fait, Blaise, il porte un paquet d'argent dans l'économie américaine. Non, pas oublier que le programme par l'humanité a venu dans le moment que l'économie. Économie a été intelligent à baisser. Yeah. Et ceci dit, démocrate, tu pas capable de dire que. Alors, pour démocrate, tu avais dit, pour démocrate, il y a clairement, ouais, et clairement dit que pendant les immigrants ont entré dans la période, ça, les montées économiques, hein, mais pour les républicains, il y a que présence immigrants, sous pouvoir discussion démocrate, là, ils descendent, ils gagnent un impact sur l'économie. Hein. Mais Kounia, est-ce que Will Donald Trump, comme républicain, qui arrive président là, lui pensait un bon matin qu'il a qu'à changer donné yo, la qu'a automatiquement venir, lui remonter donné économique yo. Non. C'est toute une bataille, c'est une guerre mondiale gagnée. Yeah. Parce que pas oublier qu'on question BRICS qui a parlé là. C'est juste des défis qui a metté pour l'Occident parce que yo estimé et monnaie qui pratiquement a utilisé là yo, l'Occident a arrangé qu'elle mette contrôle, lui mette en pointe sur yo pour permettre ensemble pays trouver dans situation difficile de fonctionnement. Yo même y a mettre stratégie tout parce que le monde a évolué. Si la Chine a boumé pour puissance économique là, bien que gen des données qui montrent qu'elle prend déjà cette puissance militaire là que les États-Unis gagnent et gen des gros batailles qu'a fait pour perdre puissance militaire là, et ben c'est normal. Yo républicain. Yo américain raciste. Si rive gagne élection, li pral très sévère dans décision qu'elle pral prendre envers le peuple américain. Il n'est pas jouer avec eux. Moi même on t'a conseillé chaque grand haïtien qui a un statut irrégulier, illégal, qui est aux États-Unis d'Amérique, ou pas pour faire quelque chose. Ou pas pour un problème. Parce que, ou te connais les États-Unis, pas de la caillou. Ou te connais n'importe là, ou te dois retourner la caillou. C'est vrai, la caillou pas bon. Même tout le temps, dit ça là-bas ici. Par un pays au monde qui transforme, qui change,
qui lève au rang, c'est étranger qui fait. OK? C'est les États-Unis qui ouvrent là, ou sont tout confortable là-dedans. Là. Peuple participer. Peuple connaît mais qui ça qu'elle veut. C'est pour ça que je choisis Donald Trump. C'est pour ça que je vote Trump. Parce que vous estimez, dans 4 ans qui sont passés, il y a pas une progression qui fait sur le plan économique, sur le plan migratoire, OK? Sur le plan d'emploi, parce que vous parlez des chômages qui viennent des États-Unis d'Amérique. Quand il y a un seul monde qui prend le vote, pas oublier. En pile dans yo rentré dans l'âge, en pile dans yo jeune, y a réfléchir sur l'avenir. OK? Yo balancé démocrate yo, peut-être yo parle jeune yo dans politique démocrate là, yo dit bon, ba essayer donc switch retourner dans et républicain. Yo aller yo garder 2016 à jodi, yo dit que yo balancé ensemble résultat yo. Yo ouais si c'est Donald Trump sans doute qui était et le président dans l'élection 2020-2021, yo, sans doute que ça, on est comme situation là, yo veut comprendre qu'il n'est pas comme ça. Blaise Peterson. Et pas oublier, les États-Unis, c'est un pays capitaliste. Li pas d'accord chita pour la garder, régression qui a fait dans tout niveau vers les États-Unis d'Amérique. OK? Nous devons arranger, nous les Haïtiens. Autorité haïtienne. Comme mon web, Leslie Voltaire, conseiller présidentiel, comme dans des vents, quand tu as fait tweet, pour le féliciter, pour le battre bravo, parce que tu dois chercher attention tout. C'est que non, l'éclair, l'éclair. L'éclair. C'est qu'il n'est pas ignoré. Bon, qui ça te fait? C'est on est tant pour Leslie Voltaire, qui est presque au premier rang, président qui a souhaité, et Will Donald Trump, bienvenue, et dans tête la Maison Blanche. Là, chercher t'y attention. Mais je veux dire, ce n'est pas attention ça, qui a servi le pays, mais c'est nous-mêmes de volonté qui nous gagnons pour nous suspendre volant, pour nous suspendre à gommer entre nous. OK? Pour nous gommer dans l'intérêt du pays, mais c'est ça. Moi-même, je dis avec chaque compatriote haïtien, et ça qui est en Haïti, et ça qui est aux États-Unis, laissez-moi dire que, ma prédit, ma toujours dit, c'est États-Unis qui gagne, c'est pas Haïti qui gagne. Abdil, c'est États-Unis qui gagne, c'est pas Haïti qui gagne. Et les peuples j'aime Haïti gain parce que c'est pas élection Haïti, c'est pas haïtien d'ailleurs. Et c'est vrai m'pap toujours arrivé ouais on le Haïti un système collégial qui dans niveau ça, on comprend le jour même élection faite, le jour même bah, résultat. Et m'a toujours aimé tout vraiment que c'est élection qui déroulait dans respect dans à principe. M'a aimé tout que les ça c'est des monde qui gagne de politique pour Haïti comme candidat qui allait dans course électorale qui t'a vienne président ou bien président des États-Unis. Et je dis hein, pas oublier équipe KPT qui en Haïti hein, et Gary Kouni en même temps yo même ouais les Steve t'a félicité mais un problème c'est il fait ça OK mais pas oublier Kouni yo gagne une responsabilité sous do yo que en octobre 2025 yo doit organiser élection en Haïti. Et pour que 7 février 2026, laisse ça pour que Gensanele ou moun qui prête pays légalement. Laisse ça pour que sénateur député, laisse ça pour que magistrat, laisse ça pour nous renouveler personnel politique haïtien. Moi-même, c'est là, moi-même. Je dis, après.